thank you Pardon, désolée, ouais, vraiment. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle matinale du matin, tôt le matin, tranquille ce matin, hein, tranquille. Je dis désolé parce que euh, ça va faire euh, euh, 9 minutes que vous attendez presque euh, que je démarre cette matinale et, euh, et en fait, euh, j'ai pris mon temps. Tranquille, tranquille, tranquille. Euh, on est lundi, le 5 août 2024, il y a Chaton qui est en train d'essayer de nous rejoindre là. Oui, bonjour Chaton. <laughs> bonjour Chaton. Ton chaud ce matin encore Comment ça va, chaton Il faut que je te dise, euh, Farid, euh, tu vois, regarde ce truc-là, tu te souviens de ce que tu, tu m'avais envoyé C'est du bois d'olivier. Euh, je l'avais euh, bêtement, je sais pas pourquoi, je l'avais lavé euh, euh, au lave-vaisselle et, euh, et il avait un peu perdu de son odeur et tout. Et là, je l'ai remis à la disposition des chats et euh, ils en sont dingues en fait, ils aiment beaucoup. <laughs> Donc il faut savoir que les chats adorent le bois d'olivier, ça les rend fous. Euh, du coup, je l'avais posé là et mon chat, enfin, je l'avais posé sur le bureau et mon chat n'a pas arrêté de foutre par terre tout ce qu'il y avait autour et de se frotter dessus comme un dingue. Il adorait ça. Et bonjour Farali et bonjour à elle et bonjour à toutes et tous qui nous regardaient sans, sans nous dire bonjour, c'est pas grave, vous avez le droit. Vous avez, <laughs> vous avez bien sûr le droit, évidemment. Euh, comment allez-vous ce matin Moi, ah, ça va. Chaton, ça va. Chaton, ça va Ça va Oui. Il sait que je lui parle quand je lui parle, il est trop, il est trop intelligent. Bonjour, Prophète. Les marchés financiers Davis, ok. Et est-ce que les marchés financiers déclouent Parce que du coup, c'est intéressant. Pire que l'herbacha. Bonjour, Stroumpf, comment ça va Ouais, c'est pire que l'herbachat. Euh, je ne suis pas au courant du coup que les marchés financiers Davis, si tu as une actu à nous transmettre. Bon, ce matin, on va parler d'actualité internationale, donc après, ça peut être intéressant, ça peut rentrer dedans. C'est beaucoup plus récent qu'il décloue, il dévisse, il démonte. Bref, c'est la fin du monde, d'accord. <laughs> euh... Mais c'est intéressant, ça peut nous intéresser. Écoute, on peut en parler si tu regardais comme, il... comme il profite, ce chat. Il est tellement bien, là. Il aime beaucoup quand on lui fait ça. C'est... Euh... Voilà. Il est bien, il est très bien, tout va bien. Non, ce matin, je vais reprendre un peu le fil de l'actualité que j'avais un peu laissé tomber. Un peu comme la semaine dernière, où on s'est un petit peu repris euh, on a un peu repris tous les, tous les trucs qu'on n'avait pas lus et, euh, et euh, <laughs> j'ai mis le masqué, il commence à s'allonger et tout puis hop, petit câlin ouais, attends je me relève je me relève euh, oui il est beau hein t'as vu <laughs> il est beau mon vieux, oui attends attends bonjour Tikanis vous avez besoin de ça ce matin Mmh. Mmh. Bref. Bonjour Manon, comment ça va Moi ça va, écoutez, ça va, euh, ça va. J'étais en fait, je suis partie euh, là pour, euh, pour faire un petit peu de sport, donc euh, après, euh, après la matinale, que je vais finir euh, je pense dans, dans une heure, une heure et demie. Euh, non, on vient juste de commencer. Après la matinale, je vais euh, aller faire un peu de rameur, voilà, vous savez tout. J'en avais envie depuis un petit moment et je m'étais un petit peu euh, laissé aller ces derniers temps et là du coup euh, je vais, euh, vais m'y remettre. Là tu, tu mets un truc pour que le chat s'allonge ici mais en fait il vient s'allonger là, parce que c'est mieux ici, c'est là qu'il faut être, c'est sous la main. Ici au moins t'es sous la main, parce que là t'es trop loin, ça va pas du tout. Et avec un peu de chance on va avoir le deuxième chat qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, donc ça ce sera très cool. Mmh, tu t'es battu avec mon chat toi mmh. Euh, J'ai mon épreuve de JO, ouais. Bonjour les Mings. <laughs> J'ai mon épreuve de JO, t'as raison. Comment vas-tu? Euh, alors, ce matin, on va partir, euh, on va partir à, euh, au Rwanda, où un miracle de résilience dans un cauchemar d'autoritarisme. Un article euh, du Courrier International, mais c'est un article de The Economist qui a été traduit par le Courrier International et publié le 4 avril. Dernier, donc c'est un peu, un peu vieux, hein, vous m'excuserez. Je vous avais dit, on reprend un peu le, le fil de l'actualité qu'on a un peu laissé tomber ces derniers temps, euh, à cause notamment de, euh, des législatives, des Jeux Olympiques, etc., etc. Au pouvoir depuis 1994, Paul Kagame a façonné le Rwanda. Il a reconstruit un pays exang dont les divisions intérieures avaient culminé avec le génocide des Tutsis. Mais, nuances économiste, le président rwandais a aussi brutalement mis la société au pas et mené une politique extérieure volontariste, parfois agressive. Est-ce que, est que vous euh, savez ce qui se passe euh, un peu au Rwanda C'est l'actualité internationale, hein, c'est plus, euh, plus actuel, je trouve, que beaucoup de choses qu'on lit par ailleurs. Et c'est bien aussi de parler euh, de, de ce qui se passe un peu partout et pas de se concentrer sur euh, notre petit pays à nous ou euh, sur l'hémisphère euh, nord de notre globe. Veillée nocturne, ici on voit une photo dans le stade de Amaoro, lors de la 25e commémoration du génocide de 1994 à Kigali le 7 avril 2019. Euh... Donc voilà, on va, on, va, on va apprendre ce qui se passe un peu au Rwanda. Chaque année, le 7 avril, Paul Kagame, le président du Rwanda, commémore le début du pire événement de la fin du 20e siècle. Bonjour. Le génocide rwandais. Alors non, j'ai pas, euh, je ne sais pas où est le Rwanda euh, à perso. <laughs> je, je ne saurais pas faire ça, placer le Rwanda sur une carte non marquée. Aucune euh, aucune idée. Donc euh, c'est chaud, mais non. Dans l'hémisphère nord. C'est dans l'hémisphère nord. Voilà. Bon, bah, très bien. Euh, euh, comme le pire événement de la fin du XXe siècle, le génocide rwandais. Durant C'est dans l'hémisphère nord, mais enfin, je veux dire, c'est pas dans les pays... Euh, enfin voilà, c'est en Afrique. En gros, et on ne parle pas beaucoup de l'Afrique. Durant une centaine de jours, en 1994, des masses de Hutus, la population majoritaire, ont massacré des centaines de milliers de leurs compatriotes pour l'essentiel des membres de la minorité Tutsi. Je pense que vous avez entendu parler euh, de... De, cette, euh, de ce génocide Tutsi euh, qui a été provoqué par euh, des Hutus. Ah, C'était dans les années 90, donc en 94. Euh, dans ses discours annuels, parfois nommés Umushi... Umushi Kirano, le mot désignant une réunion où les participants peuvent échanger des idées, partager des expériences et se remettre en question, Kagame montre pourquoi il est l'un des dirigeants les plus clivants d'Afrique. Dans une phrase, il se fait l'écho de la rhétorique officielle. Le Rwanda est aujourd'hui un miracle où règne la paix, l'unité et la prospérité, un phare de progrès allumé sur les braises du génocide. Dans la phrase suivante, il laisse entrevoir des traits plus inquiétants ce que dénoncent ses détracteurs, comme son mépris pour, qui, pour quiconque s'oppose à lui. Ceux-ci critiquent également ses méthodes brutales et répressives et ses intentions guerrières au Congo voisin. Kagame au pouvoir jusqu'en 2034. À la veille du 30e anniversaire du génocide, certains observateurs présents à Kigali, la capitale, espèrent que Kagame profitera des cérémonies de cette année pour aller au-delà de la question de savoir si le Rwanda est le Singapour ou la Corée du Nord de l'Afrique. Près de deux tiers de la population du pays ont moins de 30 ans. Le président âgé de 66 ans évoquera-t-il les 30 prochaines années se demandent certains diplomates et hommes d'affaires. Desserrera-t-il l'emprise de son état autoritaire et mentionnera-t-il son éventuel départ <laughs> Cela bon bah j'avais raison que c'était dans l'hémisphère sud alors. Bonjour Wakavunga, bienvenue parmi nous. C'est la première fois que tu écris. C'est dans l'hémisphère sud. Ah, j'avais raison, alors, tout va bien. Cela paraît peu probable qu'il démissionne euh, au pays des mille collines. Un seul homme peut se poser en parangon de vertu. Le 15 juillet, Kagame sera sans doute réélu président avec un score qui aura de quoi faire rougir même Vladimir Poutine lors d'une élection qui ne sera ni libre ni juste. Après avoir empoché 98% des voix en 2015 lors d'un référendum constitutionnel qui l'autorise à se présenter pour deux mandats supplémentaires jusqu'en 2034, il n'est pas prêt de partir. Lavage de cerveau. Pour comprendre le Rwanda aujourd'hui, il faut s'intéresser à trois niveaux précis de la politique de Kagame. L'échelle nationale, celle de la région des Grands Lacs, et l'échelle internationale. On obtient alors un tableau d'ensemble composé de réformes et de réconciliations avec une forte dose de répression et de réelle politique. À l'échelle nationale, la politique de Kagame repose essentiellement sur un lavage de cerveau imposé par l'État. Dans les camps. Ingando de solidarité, créé pour promouvoir des thèses nationalistes, faire unité au-delà des divisions ethniques et faire naître la loyauté envers les autorités. Et dans les prisons, la population est soumise au martèlement du discours officiel. Une histoire qui met en avant une identité nationale rwandaise supérieure aux identités ethniques et qui ne fait mention d'aucun des crimes commis par le parti de Kagame, le Front patriotique rwandais. Je ne sais pas si vous entendez beaucoup le clavier de Solène derrière. Ça va Vous me dites, hein. Parce que normalement, j'ai mis un filtre, mais on peut l'entendre quand même. Cette, Cette réconciliation décrétée par les autorités est une évidence, sachant, sachant que les coupables vivent parmi les familles des victimes. Fonctionne-t-elle Un baromètre de la réconciliation mis en place par l'État assure que presque 100% des Rwandais répondent de façon positive à la question de savoir s'ils sont tolérants, s'ils ont confiance et se sentent unis. Phil Clark, de l'École des études africaines et orientales de l'Université de Londres, a écrit que la plupart des Rwandais ont choisi de poursuivre leur existence plutôt que de régler de vieux comptes. Ici, on voit une photo des mototaxis devant la mosquée de Alphata, la plus grande du Rwanda, à Nia... Niamirambo. Je n'ai pas envie de faire d'erreur en prononçant le nom de la ville. Une photo de Lorenzo Makota. Euh, donc on voit la mosquée, euh, en... j'imagine que c'est ce gros bâtiment vert ici. Et on voit quelques moto-taxis ici. <laughs> Ça passe Ok. D'autres chercheurs estiment qu'au Rwanda, la réconciliation est souvent superficielle. Suzanne Thompson, de l'université Colgate, aux États-Unis, soutient que les programmes du gouvernement se heurtent à une résistance au jour le jour. Par exemple, les gens gardent le silence ou vont même jusqu'à rire lors des rassemblements organisés à l'échelle locale. Et se transmettent clandestinement des messages critiques aux étals des maraîchers. Ouais, c'est gentil, merci. Tu peux rester là, chaton Oui. Voilà, c'est ça. Remets-toi exactement au même endroit. C'est très bien, merci. S'il est impossible de savoir ce qui se passe dans le cœur des Rwandais de la rue, on ne peut, pas, on ne peut que souligner que cette réconciliation s'est accompagnée de répression. Les dissidents tombent sous le coup des lois draconiennes interdisant le divisionnisme et le négationnisme à propos du génocide. Les villages sont pris au piège d'un système où chacun épie son voisin. Les journalistes et les membres de l'opposition se retrouvent derrière les barreaux et certains sont morts dans des circonstances mystérieuses. Les adversaires du régime réfugiés à l'étranger sont harcelés, parfois tués. Euh, Prophète, tu vas te calmer Parce que, euh, en fait, euh, si, c'est de l'actualité. Il y a une élection qui a eu lieu le 15 juillet, donc on va mettre un peu de contexte. Et, euh, et le 15 juillet, c'est euh, il y a deux semaines. Euh, on voit là ici une petite frise historique de ce qui s'est passé au Rwanda, donc des repères chronologiques. On sait que le 6 avril 1994, l'avion du président juvénal Abiyarimana est abattu alors que le chef d'État revient d'un sommet en Tanzanie sur l'application des accords de paix d'Arusha. Les extrémistes UTU au pouvoir accusent les rebelles tutsi de, du, du FPR, du Front patriotique rwandais. Le 7 avril 1994, un déclenchement du génocide contre la minorité Tutsi par les extrémistes Hutus jusqu'en juillet. Les Tutsis sont exterminés à coups de machettes, brûlés vifs ou mitraillés. Je pense que vous en avez entendu parler. L'opposition UTU modérée est aussi décimée. Le génocide fait près de 800 000 victimes selon les Nations Unies. Le 23 juillet 1994, un début de l'intervention militaire et humanitaire française baptisée Opération Turquoise. Elle n'arrête pas le massacre. Au contraire, les Français sont soupçonnés de partie. En faveur, euh, de partis pris en faveur du régime génocidaire. Le 4 juillet 1994, le Front Patriotique Rwandais entre dans, entre dans Kigali, la capitale. Quelques 1,2 millions de Rwandais hutus fuient vers les pays voisins, notamment vers le Kivu, dans l'est de la RDC, donc la République démocratique du Congo. Dans la foulée, dans la foulée un gouvernement d'union nationale est mis en place. Paul Kagame, chef de la rébellion, devient vice-président et ministre de la Défense. Donc il est vice-président vice -président et chef de la rébellion depuis <coughs> 1994. Un cessez-le-feu est proclamé le 17 juillet euh, 1994. Donc Sillage nous dit, qui est juste derrière moi, qu'il faut lire, regardez, petit pays. Voilà, bonjour Sillage. <laughs> euh, donc un cessez-le-feu est, pro cessez est proclamé le 17 juillet 1994. Le 17 avril 2000, Paul Kagame est élu président par le Parlement. Il sera réélu au suffrage universel avec plus de 90% des voix en 2003, 2010 et 2017. Donc ça va faire 24 ans maintenant qu'il est président. Et le 15 juillet 2024, l'élection présidentielle rwandaise, Paul Kagame part grand favori du scrutin. Il avait obtenu 98-79% des voix lors de la dernière élection présidentielle en 2017. Donc le 15 juillet dernier, il y a eu une élection au Rwanda. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr d'avoir vu la l'article sur... d'avoir fait passer, enfin d'avoir pris la nouvelle de l'information. Enfin, ah, je vais y arriver. D'avoir pris l'information, je vais aller voir quand même, mais <laughs> Paul Kagame en tête avec 99,15% des voix selon les résultats partiels. Voilà. Bon, bah, du coup, merci beaucoup pour l'information. Euh... Alors, je reprends... D'autres chercheurs estiment qu'au Rwanda la réconciliation est souvent superficielle. Ça, je l'ai déjà dit. Euh... Par exemple, les gens gardent le silence et vont même jusqu'à rire des rassemblements organisés, je l'ai déjà dit. C'est impossible de savoir ce qui se passe dans le cœur des Rwandais, je l'ai déjà dit. Ok. Succès en trompe-l'œil. Le Rwanda préfère quand les visiteurs se passionnent pour la propreté des rues de Kigali, son palais, son palais des congrès rutilants, l'absence de corruption dans la vie quotidienne et les gorilles des montagnes. Les diplomates occidentaux vantent l'efficacité du Rwanda dans son utilisation de l'aide internationale, une aide qui représente l'équivalent d'environ 75% des dépenses de l'État. Ce qui suscite un tel intérêt de la part d'autres euh, responsables africains qu'il existe maintenant une, institu une institution spécialisée chargée de leur expliquer comment appliquer les méthodes rwandaises. Un signe de ce que l'universitaire kényan Ken Opalo définit comme l'envie de Rwanda. Donc, ici on voit le, euh, une carte du Rwanda qui est donc enclavée entre eux, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. Et donc sur une carte de l'Afrique, c'est à cet endroit-là, puisque la voilà, question se posait tout à l'heure par prophète. Euh, le Rwanda fait une superficie de 26 338 km et a une population de 13,2 millions d'habitants. Euh, on y parle l'anglais, qui est la langue de l'administration, le français, le Kine, Kinyarwanda et le Swahili. Euh, le pays est 165e sur 180 pays, euh, 188 pays euh, dans l'indice de développement humain. Et bonjour, fans de Mélenchon, bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. Euh, le taux de croissance est de 10,9%, la part des principaux secteurs d'activité dans le PIB et de l'agriculture 27%, l'industrie 22%, les services 44%. Des sources de la Banque mondiale, NISR, le ministère de l'économie. Tout cela est parti, en partie justifié. Le PIB a progressé de plus de 8% par an en moyenne de 1995 à 2022. L'espérance de vie a augmenté de 49 à 66 ans entre 2001 et 2021. On l'a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de trentenaires au Rwanda quand même. La mortalité infantile a baissé de 77%. Pourtant, il s'agit peut-être d'un succès en trompe-l'œil, puisque plusieurs chercheurs ont démontré de façon crédible que les indices officiels de la pauvreté sous-estiment la réalité. D'autres ont remis en question les données des autorités sur les rendements agricoles. Seulement 2% des Rwandais sont équipés de réfrigérateurs, un symbole de la classe moyenne africaine. C'est très en dessous du pourcentage dans d'autres pays comme l'Éthiopie 6% et la Tanzanie 10% qui affichent des niveaux de revenus similaires, d'après le Global Data Lab de l'Université Radboud aux Pays-Bas. En privé, de nombreux Rwandais se plaignent de l'énorme écart entre riches et pauvres. Le pays a un coefficient de Gini, l'indicateur de l'inégalité des revenus plus élevé que, euh, que ses équivalents régionaux, je vais y arriver. Si la population a le sentiment que les bénéfices de la croissance sont détournés au profit d'une élite, cela pourrait avoir des conséquences dangereuses sur le plan social. À en croire une étude, l'étude-ci qui constitue entre 10 et 15 de la population détiennent 80 des emplois de cadres dans le gouvernement. Les entreprises d'État comme Crystal Ventures, gérées par le, le FPR et Horizon sous le contrôle de l'armée, certains universitaires saluent le fait que ces entreprises investissent dans l'économie, bien qu'elles soient susceptibles de dissuader des investisseurs en étouffant la concurrence. Un an par année. Okay. Je ne sais pas de quoi tu parles, désolé. Ingérence militaire en RDC, donc en République démocratique du Congo, juste à côté. Par ailleurs, les, par ailleurs, les ambitions de Kagame ne se sont jamais limitées aux frontières de son pays. Dans les années 80, avec d'autres exilés suite en Ouganda, il a aidé Yoweri Museveni à y prendre le pouvoir. Au début des années 90, le FPR est entré en guerre contre le régime rwandais, alors dominé par les Hutus. Et en 94, il a marché sur Kigali pour mettre fin au génocide qui a été déclenché quand l'avion transportant le président rwandais, Juvenal Abiarimana, a été abattu. En 97, Kagami et Museveni se sont alliés pour renverser Mobutu Sese Seko, le dictateur qui a régné pendant plus de 30 ans sur la République démocratique du Congo, alors le Zahir, avait permis à l'armée rwandaise et aux chefs des milices Utu impliquées dans le génocide de se replier sur son territoire. Ils l'ont remplacé par Laurent Désiré Kabila, mais quand celui-ci s'est montré tout sauf docile, le Rwanda a de nouveau envahi le pays, provoquant une guerre qui a causé la mort de 1 à 1,5 million de personnes, principalement de famine et de maladies. Mais imagine, tu gagnes un an d'espérance de vie par année, c'est comme si t'avais le cheat de vie infini. <laughs> c'est vrai. Le Rwanda, qui semble exporter davantage de minerais qu'il n'en extrait de son sol, maintenant maintient une, force, une forte présence dans les régions riches en ressources de l'Est du Congo. Selon les Nations Unies, Kigali soutient un groupe armé du nom de M23, le mouvement du 23 mars, accusé de meurtre et de viol, qui est sur le point de s'emparer de Goma, la capitale régionale, ce qui accroît encore les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La guerre peut éclater à tout moment, s'inquiète un diplomate occidental. Les sympathisants du Rwanda affirment qu'il ne s'agit que dans l'Est, qu'il n'agit qu dans l'est du Congo que pour assurer sa propre défense et protéger les Tutsis. Le gouvernement rwandais appelle qu rappelle qu'il existe des liens entre l'armée congolaise et les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, fondées à l'origine par les génocidaires UTU qui avaient fui en 1994. Mais l'intervention du Rwanda a d'autres motifs. La dernière flambée de violence causée par le M23 a eu lieu alors que le Congo tentait de mettre, en, euh, de mettre le Rwanda sur la touche en invitant des troupes burundaises et, 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 et ougandaises dans le pays et en se rapprochant de l'orbite économique du Kenya. Kagame a longtemps été persuadé qu'il était incontournable, non seulement au Rwanda, mais aussi dans la région, sur le continent, et même sur la scène internationale, écrivait l'an dernier la journaliste Michela Wrong. chaton Diplomatie du gaz. Au début, l'Occident a aidé parce qu'il se sentait coupable de ne pas être intervenu pour mettre fin au génocide, mais aussi parce que le Rwanda était la preuve que l'aide pouvait fonctionner en Afrique. Toutefois, de plus en plus, c'est la réelle politique qu'applique Kagame dans ses transactions qui lui garantit le soutien des États occidentaux. La Grande-Bretagne, par exemple, souhaite transférer les demandeurs du des demandeurs d'asile au Rwanda. Au sein du gouvernement rwandais, certains déplorent cet accord parce qu'ils estiment qu'il ternit l'image du pays. Mais il a des avantages. Londres a accepté de verser 370 millions de livres, soit 431 millions d'euros pour ce partenariat d'ici à 2026 soit 10 fois plus que l'aide annuelle du, ro du Royaume-Uni au Rwanda et plus de liquidités encore si les demandeurs d'asile finissent par arriver. Un contraste frappant avec la réaction de la Grande-Bretagne en 2012 quand elle avait interrompu toute aide à Kigali à la suite d'une offensive du M23. La France aussi se rapproche de Kagame. Pendant des années, les relations sont restées tendues entre les deux pays parce qu'un juge français avait accusé le FPR d'avoir abattu l'avion de... De Abiyar donc le président qui a été abattu en 1994, euh, juste avant euh, la guerre qui a surgi dans ce pays, dont le régime était soutenu par Paris. Emmanuel Macron, qui à Kigali en 2021 a demandé pardon pour le rôle joué par la France pendant le génocide, a rétabli les relations. L'UE, donc là on voit une photo du président français Emmanuel Macron et de Paul Kagame, le président euh, du Rwanda, dans l'enceinte du palais présidentiel de Kigali en mai 2021. Une photo d'Eliotte blondé pour six pas. L'UE finance le, déplo le déploiement au Rwanda, du Rwanda contre les djihadistes au Mozambique. Non loin de là, où Total, le géant français de l'énergie, développe le projet d'une immense usine de gaz. En février, suscitant l'ire du Congo, l'UE a annoncé un accord portant sur le renforcement des exportations rwandaises de minerais. Les États-Unis ont adopté une attitude moins nuancée. Ils ont imposé des sanctions à un général rwandais pour son rôle supposé dans le soutien au M23. Et ont suspendu toute aide militaire. L'Amérique n'en reste pas moins le principal bailleur de fonds du pays et elle répugne à s'aliéner Kagame, un allié qui dispose d'une armée puissante qu'il est prêt à déployer dans les régions instables de l'Afrique. De plus, le dirigeant rwandais sait naviguer dans les coulisses du pouvoir à Washington. En février, il a séduit des membres du Congrès lors d'un petit déjeuner de prière. En guise de comparaison, une délégation sud-africaine s'est présentée durant les vacances du Congrès et a eu du mal à rencontrer qui que ce soit. Et bonjour, Miliana. Approche pragmatique. De fait, le Rwanda a apparemment réussi à maintenir des liens d'amitié avec des acteurs que tout semble opposer sur le plan politique. La Chine a construit la plupart des grandes routes du pays et le fournit en armement. Le Rwanda a joué à louer le rôle de la Russie en Afrique, tout en étant un des rares pays du continent à bientôt accueillir une nouvelle ambassade ukrainienne. Kagame a exprimé sa sympathie à Israël après le massacre commis par le Hamas le 7 octobre, mais envoie également du lait infantile à Gaza. Le Qatar est un investisseur de premier plan au Rwanda, mais ce mois-ci, Kigali a accueilli une délégation envoyée par ses rivaux, les Émirats arabes unis. Kagame comprend qu'au bout du compte, la diplomatie est avant tout une affaire d'intérêt, constate un diplomate. Quand le dirigeant du Rwanda prendra la parole le 7 avril, un grand nombre de dignitaires étrangers seront présents. Quand il sera réélu en juillet, peu d'entre eux se feront entendre. Cette réticence obéit à une logique sans merci. Pendant encore au moins dix ans, c'est Kagame qui fera la pluie le beau temps, mais alors qu'il entre dans sa quatrième décennie au pouvoir au Rwanda, il serait bienvenu que le monde extérieur se pose une question jusqu'à quel point le pays est-il stable s'il ne dépend que du règne d'un seul homme Très bonne question, excellente question. Euh, je ne sais pas s'il y arrive encore aujourd'hui le lait infantile, mais, euh, mais en tout cas, il, il est envoyé. On va rester en Afrique, mais on va repasser euh, au-dessus, je crois, du. Euh, au-dessus de l'Équateur. On va aller euh, au Caire. Cette fois-ci, on va parler de euh, la ville du Caire qui a été vidée de sa substance par, euh, par Sisi. Sisi, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, là, justement la semaine dernière, euh, qui avait euh, co-signé un, un courrier avec euh, Emmanuel Macron pour appeler à la fin euh, de, du conflit armé euh, à Gaza. Donc, Égypte commence ici à vider le centre-ville du Caire. Donc, pareil, c'est un article du 7 avril. Hein, je, je reste sur des articles d'avril là. L'article suivant, c'est être un petit peu plus récent, même si ça reste quand même assez ancien, mais euh, on reste en Afrique de toute façon. En 2011, les rues situées autour de la place Tahrir ont abrité le cœur euh, battant de la révolution, mais depuis l'avènement du président égyptien Sisi, un étau sécuritaire en serre le Oust Al-Balad de la capitale, provoquant l'exode des journalistes, artistes et autres acteurs engagés de la société civile, raconte le site Panarabe. Euh, panarabe du coup, Razif 22 un hein, article donc publié sur Razif 22 le 7 avril est traduit par le courrier international euh, le, euh, le voici, ici on voit un dessin de Haddad paru dans al Ayat à Londres avec euh, vous reconnaissez le sphinx et euh, qui tire un... comment s'appellent s'appelle ces trucs là avec, euh, voilà, un un, pas un serpentin mais un truc euh, qui fait du bruit là vous savez un truc, de fest un truc festif, là. je sais plus comment ça s'appelle, bref. Le centre-ville du Caire avait gardé une identité bien à lui depuis plus d'un siècle, dans sa, con dans sa construction à la fin du 19e siècle sur un modèle d'urbanisme moderne inspiré de l'exemple haussmanien. Ce Woust al-Balad, centre-ville en arabe, était le cœur battant, une langue de belle mère merci, Varli, <laughs> était le cœur battant, battant du Caire lieu de bouillonnement culturel, terreau d'appel à la liberté et au lieu de la contestation. Tous ceux qui voulaient faire partie des milieux de la culture, des arts et des, et des débats politiques y affluaient. En 2011, il a été le centre névralgique de la révolution autour de la place Tahrir. Mais depuis, il a totalement changé avec l'expulsion des milieux intellectuels de la jeunesse révolutionnaire et des cercles de la contre-culture. Cette évolution commence en 2013 quand le militaire Abdel Fattah al-Sisi met fin au règne des frères musulmans. Dès le coup d'État, les nouvelles autorités du pays imposent un couvre-feu et l'appliquent avec une rigueur particulière dans, dans et autour le oust, du woust al Balad. C'est aussi une plante, OK Ah oui, c'est une plante euh, qui, a, qui doit avoir le même... Euh, le, je, je la connais cette plante. Euh, le couvre-feu est ensuite allégé, mais seulement pour être remplacé par des décrets municipaux sur la fermeture des commerces à 22h en hiver, 23h en été. Alors que dès le printemps, la vie sociale se passe largement pendant la nuit pour éviter les grosses chaleurs de la journée. Là encore, c'est surtout dans le Woustal Balade que ces règles sont appliquées avec rigueur. Parallèlement, les autorités procèdent toujours par décrets municipaux à la fermeture des, ca des fameux cafés que les militants politiques et les artistes avaient l'habitude de fréquenter. À partir de 2016, les autorités ajoutent d'autres mesures visant à y faire régner l'ordre. De simples passants sont obligés de laisser la police examiner les contenus de leur téléphone portable et on assiste à la multiplication des perquisitions d'appartements de jeunes artistes, d'écrivains, de journalistes et de personnes engagées dans la société civile. Depuis lors, chaque année, à l'approche du 25 janvier, date anniversaire de la révolution de 2011, mais aussi à d'autres occasions, telles que le Nouvel An ou d'importants matchs de football, les véhicules des services de sécurité s'y déploient et les policiers en civil essaiment sur la place Tahrir et ses environs pour faire régner l'ordre sécu sécuritaire par l'insécurisation des passants. Par l'insécurisation des passants, ok. Mahmoud Abdallah, 37 ans, journaliste indépendant, a quitté le quartier de Munira au sud de la place Tahrir, pour fuir le harcèlement permanent des forces de l'ordre. Je me souviens des débuts de cela, c'était des coups énergiques, des coups énergiques sur la porte de l'appartement où j'habitais en colocation avec d'autres journalistes. À travers le judas, j'ai vu trois hommes inconnus qui avaient l'air d'être de la police. J'étais tétanisé et je suis resté là sans bouger jusqu'à ce qu'ils repartent. Ici on voit euh, une carte euh, où on a donc euh, le Caire euh, en Égypte. Et euh, ici, on va voir euh, Champollion, donc Champollion Road ici, Rawab Rawabet Art Space qui se place ici, Townhouse Gallery qui se place ici, les Cafés de la Bourse à cet endroit, Talat Harb euh, ici et la Place Tahrir dont on parle qui se situe ici, donc c'est dans le centre-ville euh, à côté du coup de Gizeh qui est de l'autre côté du Nil. Des amis à lui, à la même époque, ont subi la fouille de leur appartement, certains ont même été amenés au poste sans motif d'autres ont été détenus pour de vieux messages sur leurs comptes de réseaux sociaux. On est tout le temps obligé d'être sur ses gardes dans le West Al-Balad, surtout aux dates anniversaires de la révolution. Les services de police tracassent tous ceux qui y habitent comme s'ils voulaient leur infliger une punition à vie pour un péché qu'ils auraient commis, ajoute-t-il. Pour ces journalistes et artistes qui avaient l'habitude de fréquenter le quartier, ceci une période, celui-ci représente une période qui est terminée. Désormais, c'est un endroit où le régime met en scène sa victoire sur la révolution de janvier 2011, comme en témoigne Mahmoud Ab Abdallah. Sissi a vraiment gagné, c'est devenu un endroit qui fait peur, j'y avais, avais en permanence l'impression de revivre une défaite. Ce qu'il a définitivement décidé à partir, c'est le sort d'un ami, Mustapha Massouni, 26 ans à l'époque, lui aussi vivait dans le Wust Al-Balad, jusqu'à sa disparition en 2015. Depuis, on ne sait toujours pas ce qui est, ce qui est advenu, advenu de lui. Il est descendu acheter un truc et il a disparu, se souvient Mahmoud Abdallah. Ces dernières années, l'exode du centre-ville de la classe d'âge des 25-40 ans et de tous ceux qui avaient un lien avec la révolution s'est accéléré. Beaucoup n'ont pas simplement quitté les quartiers du centre-ville, mais le pays tout court. Les cafés El Borsa, Boustan et Takiba, tous à proximité de la place talat Harb, à quelques 500 mètres au nord de la place Tahrir, ont dû fermer ou s'adapter à une nouvelle clientèle. C'est ce que confirme Mina Yacoub. Plasticien qui avait l'habitude de rencontrer des artistes, dessinateurs de, de caricatures, gens du théâtre et de la danse près de la rue Champollion, où s'était développée une scène culturelle alternative autour de la galerie et centre d'art vivant Town House et du théâtre Rawabet Art Space. Donc je vous ai montré ça sur la carte tout à l'heure. Il a lui aussi été témoin des changements intervenus du fait des conditions politiques, mais également économiques. Après la Révolution, j'habitais dans le quartier de Garden City, juste au sud de la place Tahrir. Je payais un loyer de 2000 livres, c'était déjà une somme, mais ensuite le loyer augmentait chaque année pour atteindre 4000 livres en 2019, et le propriétaire estimait que ce n'était toujours pas assez. Mina a alors décidé de quitter les environs de la place Tahrir et tous ces quartiers où ses amis, euh, ses amis subissaient régulièrement les visites de la police. Il a déménagé à Munira. il a quand même dû débourser 6000 livres de loyer pour une chambre dans une colocation. L'inconvénient de ce quartier est relativement populaire est que le contrôle social y est re relativement plus pesant. Il y est plus difficile de recevoir librement les ami ses amis, étant donné, que les regards inquisiteurs des étant donné les regards inquisiteurs des voisins. A noter que ce quartier est également assez prisé des étrangers. Les loyers restent accessibles pour eux, mais ils ne subissent pas les regards inquisiteurs des voisins et des, con des concierges qui considèrent qu'avec eux, il n'y a rien à faire, puisqu'ils sont issus d'une autre culture et qu'ils iront de toute façon en enfer. Hassan Mahmoud, commercial sur internet, a lui aussi déménagé des quartiers situés autour de la place Tarir après euh, que son appartement a été perquisitionné et fouillé à plusieurs reprises la première fois en janvier 2016, à l'approche du cinquième anniversaire de la Révolution. Hassan avait même été arrêté et a passé une nuit au poste avec la peur de finir au cachot. Il a alors changé d'appartement et s'est installé un peu plus loin avec un ami caméraman. Un jour, son ami voulait filmer la rue. Et le ciel étoilé, cela n'a pas eu l'heure de plaire à la police, qui a estimé que c'était des bâtiments sensibles que son ami s'apprêtait à filmer. Tous deux ont alors été arrêtés. Hassan a alors décidé de quitter pour de bon le Wooster Balad, qu'il aimait pourtant beaucoup, mais les brimades y étaient trop nombreuses contre tous ceux qui ressemblaient à la jeunesse révolutionnaire. Il s'est installé à Madi, un quartier excentré et relativement huppé, où les loyers sont encore plus chers, mais c'est plus sûr et plus propre, selon Hassan. Au moins, c'est calme et loin des jeux du chat et de la souris avec la police. Ainsi, Madi serait devenu aujourd'hui le nouveau, nouveau Woost Al Ballade, du moins pour ceux qui ont les moyens de s'y installer. Les autres font comme ils peuvent pour fuir les lieux du traumatisme collectif que représente désormais pour eux le Woost ce centre-ville du Caire devenu un espace sécuritaire où ils se sentent en insécurité. Donc bien sûr, les noms ont été changés. C'est un article qui a été écrit par Merad Fouad. Mehran Fouad, euh, pour, je l'ai dit tout à l'heure, le euh, Rasif 22 Depuis 2011, la révolution du printemps arabe. Les choses n'ont pas beaucoup changé en Égypte. ça a même plutôt empiré la situation, j'ai l'impression. On continue un petit tour de, 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 du monde. On va continuer, on va, aller, on va aller faire un petit un petit crochet en Asie. On va aller faire un tour en Birmanie. Je ne sais pas si vous avez suivi, il me semble qu'on en avait parlé ici de ce qui s'était passé en Birmanie. Il y a eu un coup d'État il n'y a pas très longtemps en Birmanie. Il y a quelques mois de ça. Et euh, oui. <laughs> euh, et depuis, la situation en Birmanie est, est devenue catastrophique. Euh, vraiment catastrophique. Donc, là, c'est un article du 14 avril, mais je crois que j'en ai un plus récent encore euh, qui parle d'un autre sujet. On va lire celui-ci déjà pour qu'on sache un peu ce qui se passe euh, là-bas. On n'en a pas parlé depuis longtemps. Euh, la conscription obligatoire, une voie vers la mort qui provoque l'exode des jeunes birmans, décidément. J'aimerais bien, nous, qu'on ouvre les frontières euh, pour euh, ces jeunes euh, égyptiens, birmans, qui sont, euh, et puis même euh, rwandais aussi, hein, qui sont euh, des personnes euh, sans doute très intéressantes et, euh, et culturellement euh, passionnantes et qui euh, pourraient euh, euh, apporter tellement de richesses dans notre pays. <laughs> Mais bon, avec, euh, avec la politique qu'on a aujourd'hui en France, c'est compliqué. Confronté aux offensives menées par la résistance armée un peu partout dans le pays, la junte birmane a décidé d'appeler les plus jeunes sous les drapeaux. Beaucoup refusent, raconte The Irrawaddy, et préfèrent fuir à l'étranger plutôt que de prendre les armes. Un article, donc, je disais, de The Irrawaddy, qui a été publié le 14 avril sur le Courrier international. Et ici, on voit des jeunes Birmans qui patientent à l'extérieur de l'ambassade de, Thaï de, de Thaïlande, à Rangoon, dans l'espoir d'obtenir un visa le 16 février 2024. Donc, ils vont s'exiler en Thaïlande. Grand bien leur face, j'espère que c'est mieux là-bas. Et bienvenue Red, Red 8. Red, je ne sais pas. Comment vas-tu? Bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. C'est un exode entrepris au nom de la vie, un choix entre le risque de devenir un bouclier humain et la contrainte de fuir tout ce, qu tout ce que l'on a, son foyer, ses proches, son travail, tout ce qui est familier, pour mener une existence désorientée, désemparée. Voilà comment les jeunes gens qui ont quitté depuis peu la Birmanie pour échapper à la conscription décrétée par la junte dépeignent leurs décisions aussi rapides que désespérées. De, de de qu une... Je t'avais dit qu'elle était jolie. Hein. <laughs> euh, ici, on a la Birmanie, une carte de la Birmanie. On voit la junte en jaune, euh, donc la junte qui a fait son coup d'état il y a quelques mois. Le NUG, le gouvernement d'unité nationale, et ses alliés qui sont en bleu et qui essaient de reprendre un peu du terrain. Euh, l'alliance des trois fraternités en violet, euh, pareil, hein, qui essaye de reprendre un peu du terrain, des forces neutres en, en gris et les principales villes conquises par les mouvements armés de résistance, donc il y en a deux, hein, des mouvements armés de résistance, les bleus et les violets ici, euh, et donc les, les principales villes qui ont été reprises euh, sont en bleu, en violet ici, voilà. Euh, la Birmanie, qui est donc, en, qui est donc elle aussi euh, entre euh, l'Inde, la Chine, euh, le Laos et la Thaïlande. On voit donc la Thaïlande à cet endroit-là où pas mal de jeunes Birmans souhaitent euh, partir. Tu vas en Thaïlande dans une semaine Ok, bah, tu nous diras ce qui s'y passe si tu vois beaucoup de Birmans. Kotaka n'avait jamais envisagé de partir jusqu'à ce que le 10 février, la junte fasse entrer en, vi en vigueur une loi qui rend le service militaire obligatoire. Il gérait sa supérette à Rangoon et les affaires tournaient. Puis un administrateur est venu annoncer aux jeunes hommes de son district qu'ils devaient se faire recenser pour la conscription durant la première semaine de mars. Kotaka, en âge d'être appelé, a abandonné sa boutique et tout ce qu'il connaissait pour se réfugier en Thaïlande. Le service militaire, c'est la voie vers la mort, commente le jeune homme de 27 ans. Avant d'ajouter, c'est une condamnation à mort, la junte va utiliser les appelés comme des boucliers humains, explique-t-il. C'est pour ça que j'ai fui la Birmanie. Conformément à la loi sur le service militaire appliquée en urgence par la junte, tous les hommes de 18 à 35 ans et toutes les femmes de 18 à 27 ans sont susceptibles d'être appelés pendant deux ans sous les drapeaux. La limite d'âge est reportée à 45 ans pour les hommes et 35 ans pour les femmes s'ils maîtrisent une spécialité, par exemple s'ils sont ingénieurs ou professionnels de santé. Ces mesures concernent 14 millions de personnes en Birmanie, soit 26% des 54 millions d'habitants. Après la proclamation de la loi, une fois passé le choc, euh, les jeunes et, les et leurs proches ont commencé à préparer leur fuite. Chaque jour, on a vu des milliers de gens venir faire la queue devant l'ambassade thaïlandaise à Rangoon et l'office des passeports à Mandalay, euh, dans l'espoir d'obtenir des visas et des autorisations de déplacement. Koteng, 28 ans, a été aidé par ses parents. Il est arrivé à Bangkok à la fin du mois de mars avec son frère de 22 ans et sa sœur qui en a 19. Il occupait un poste de directeur adjoint dans un cabinet de relations publiques à Rangoon mais est originaire de la région de Bago. Son départ, pour lequel il est accompagné de sa fratrie, a été motivé par la visite d'un administrateur de district dans leur foyer familial à Bago. L'homme s'est présenté à l'entrée pour rassembler les informations et établir une liste de conscrits potentiels, les parents de Kokeng, ont aussitôt décidé d'envoyer leur enfant à l'étranger. Ils savaient que les rangs de l'armée de la junte étaient clairsemés à cause des désertions et après qu'elle a subi des pertes dans les affrontements de plus en plus violents qui l'opposent aux organisations ethniques, armées et d'autres forces de résistance dans tout le pays. Ils ne tenaient pas à sacrifier la vie de leur enfant pour aider la junte à s'accrocher à un semblant de pouvoir. Outre la loi sur la conscription, Min Ong... Min Ong... Min Ong euh, je ne sais pas comment ça se prononce. <laughs> Alain... Le patron de la junte a également fait entrer en, visage, en vigueur la loi sur les réserves qui permet à son régime d'envoyer les anciens militaires sur le front. Le mois dernier, dans son discours pour le défilé prononcé à l'occasion de la journée des forces armées, il s'est entêté dans sa logique assurant que la mise en œuvre des deux lois renforcerait l'armée. Après cela, les mesures nécessaires seront prises étape par étape pour garantir la paix et la stabilité de l'État afin que prévalent la loi et l'ordre, a-t-il déclaré, manifestement inconscient du dernier exode en date qu'il a provoqué. Lynn. Euh, je ne sais pas comment on prononce le H devant les mots <laughs> en birman. Lynn Stet-Hong, ancien, et j'imagine que ce mot a une signification particulière, ancien capitaine de l'armée qui a fait défection et rejoint le mouvement de désobéissance civile, pense que le service militaire ne fera qu'aggraver le bain de sang. Davantage de gens seront contraints de s'entretuer. La junte cherche à pousser les gens à se battre les uns contre les autres. Les appelés seront déployés dans des opérations de terreur. Contre leurs civils, prévient-il, ils seront obligés de se battre contre les groupes révolutionnaires opposés au régime. Ce nouvel exode concerne les jeunes qui avaient continué à vivre en Birmanie malgré le putsch du 1er février 2021. Ils auraient pu être arrêtés n'importe quand pour n'importe quel prétexte et pourtant ils sont restés. Sous la dictature militaire, ils ont perdu leur liberté, la possibilité d'obtenir une éducation et de trouver un emploi. C'est peut-être aussi la première génération à rêver d'un avenir dans le sillage d'une éphémère ouverture démocratique. Des rêves perdus, eux aussi. Les exilés ne font pas confiance à la junte, bien qu'elle ait annoncé que les premiers euh, conscrits seraient appelés après Tingyan, le nouvel an birman, birman à la mi-avril. Elle a commencé à les mobiliser à Rangoon, Mandalay, Magwe. le mois dernier. La junte redoute, redoute que les conscrits ne s'enfuient pendant les fêtes et elle a désespérément besoin de renforcer ses troupes en première ligne, constate un analyste. Âgé de 24 ans, Yuya se méfie. Elle aussi, de la junte, à en croire les annonces qu'elle ne courrait aucun danger dans l'immédiat. Le régime a en effet affirmé que les femmes ne seraient pas parmi les premières à être appelées. Mais Yuya dit n'accorder aucune foi à ces déclarations. Elle a peur d'être très vite mobilisée et était sûre qu'elle finirait par être utilisée comme bouclier humain. C'était une question de vie ou de mort, décrit-elle. Elle, elle a fui Rangoon pour le Vietnam, où elle a, été où elle a demandé un visa d'étudiante pour les États-Unis, peu après l'entrée en vigueur de la loi sur la conscription. J'espère que 100% de la population concernée va fuir aussi, euh, Miliana. Vraiment, euh, c'est très triste ce qui leur arrive et c'est terrible euh, ce qui se passe en Birmanie. Cocaine, 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 cocaine. Oui. Lui il reconnaît qu'il a hésité à partir. Il raconte que ce sont ses parents qui l'ont forcé à se réfugier en Thaïlande avec ses plus jeunes frères et sœurs qu'il est aujourd'hui bien décidé à protéger. Nous devons démarrer une nouvelle vie ici. Nous n'avons pas le choix. Un article de Brian Way pour The Irrawaddy. Publié en avril dernier. Et pour continuer sur la même, euh, sur la même veine, mais par contre, cette fois-ci, on va retourner en Afrique, on va aller au Soudan. Que ce, que ce qui se passe là-bas aussi est assez terrible. On aura fait le tour de plusieurs pays qui sont en guerre en ce moment. Enfin, le Rwanda est plutôt pas trop en guerre, mais bon, c'est pas forcément un pays très euh, libre. Toute la population comme ça, on laisse les membres du régime juste entre eux. Un pays qui passe à genre 50 habitants, ou alors ouais, un pays avec euh, une moyenne d'âge de 50 ans, ce serait euh, différent. Ça leur ferait un peu les pieds. Reportage au cœur des camps d'entraînement militaire des Soudanaises. Les, les Soudanaises prennent les armes. Donc on a un reportage ici qui a été publié sur euh, Razif 22 encore une fois puis euh, traduit par euh, Europress euh, le 16 avril. <coughs> Ici, on voit une photo, enfin un, un dessin, qui est euh, très très beau d'ailleurs, de Ahmed Fala, Norvège, <coughs> pour Cartoon Movement, Movement. La Black Army, l'armée noire, est un groupe de femmes soudanaises ayant achevé la formation donnée dans des camps d'entraînement militaire populaire établis pour enseigner l'autodéfense aux civils, aux femmes surtout, et pour apporter un renfort aux forces armées dans la guerre qu'elles mènent contre les forces de soutien rapide. L'an dernier au début du mois d'octobre, des centaines de femmes vêtues de noir et disposées en rang ont écouté la locution prononcée par Alia Hassan Abuna, une dirigeante du Bloc démocratique des forces de la liberté et du changement, le FFCDB, coalition de partis politiques et d'associations fondée en 2019 et opposée au gouvernement militaire soudanais qui est aussi à la tête de l'initiative des femmes du Soudan. Un premier groupe de femmes venait de compléter la formation au maniement des armes dans un camp militaire de l'État soudanais de la mer Rouge. Nous ne sommes pas ici pour rester derrière d'autres ou pour les suivre. À partir de maintenant, nous serons au premier rang de la lutte et nous nous battrons sur la ligne de front des cartels. Donc, si vous n'êtes pas au courant, en Soudan, il y a, il y a une guerre civile qui, qui, euh, qui aujourd'hui fait rage et qui euh, provoque euh, énormément de, de, de pertes civiles euh, depuis, depuis des mois. On en a déjà parlé sur cette chaîne. On, on a déjà fait le tour un petit peu de, de l'Afrique. Hein, on avait déjà fait. Euh, on a déjà parlé de la Birmanie, on avait déjà parlé, on n'avait pas parlé du Rwanda encore, je crois. On avait déjà parlé de la Birmanie, on avait déjà parlé euh, du Soudan. On n'avait pas parlé de l'Égypte ni du Rwanda, donc c'est bien qu'on en ait parlé. Mais, euh, mais voilà, le Soudan, donc si, si vous voulez, <laughs> c'est dans, dans une émission précédente il y a longtemps. Les émissions précédentes sont sur YouTube. Je ne suis pas sûre d'avoir mis, euh, malheureusement, le titre qu'il fallait dessus, mais bon. Euh, cherchez peut-être dans le titre euh, Soudan, sinon c'est avant et du coup c'était il y a un petit peu plus longtemps. Plusieurs mois après l'éclatement de la guerre entre l'armée, force armée soudanaise dirigée par le général Al-Buran, également chef de l'État de facto, et les forces de soutien rapide, le RSF, force paramilitaire dirigée par l'ancien allié d'Al-Buran, Mohamed Hamdan Degallo, dit Emeti, le 15 avril 2023, l'armée a ouvert des camps d'entraînement pour enseigner le maniement des armes à des civils et ainsi encourager la résistance populaire. Plus tard, elle a commencé à offrir ainsi aux femmes la possibilité de suivre un entraînement militaire et d'apprendre à utiliser des armes, notamment à des fins d'autodéfense. Nous, sommes, nous nous sommes rendus dans l'un de ces camps d'entraînement pour femmes situés dans l'État soudanais de la mer Rouge, dans le nord-est du pays. Sa capitale, Port-Soudan, est devenue de fait la ville de repli de l'armée soudanaise après que Khartoum ait partiellement tombé entre les mains de, des RSF. Bien que toute la jeunesse de tous les états militaires partent, <laughs> qui viennent en France. Alors on aimerait bien leur ouvrir les frontières quand même, ce serait cool. Ça, ça changerait radicalement la face du monde, mais ça prend du temps et c'est un exode éclair qu'il faut. Et puis surtout, il faut qu'ils aient un point de chute aussi derrière. Ou plusieurs d'ailleurs. Euh, donc, oui, tu disais RSF entre les mains des RSF. Non, c'est pas les reporters sans frontières, non. <laughs> Euh, non, non, c'est euh, pas du tout ça. nous y avons rencontré la responsable alia hassan abuna. j'ai été la première à proposer d'entraîner les femmes à utiliser des armes et à se battre, nous a-t-elle expliqué. j'ai soumis la proposition au commandant de la zone militaire dans l'état de la mer rouge, puis à djibril ibrahim, le représentant du gouvernement dans l'état. finalement, la proposition a été euh, présentée à abdel fattah al Buran. Euh présidente du Conseil souverain de transition, elle a été approuvée car la guerre ne semble pas vouloir se terminer de s'itôt. Elle insiste sur le fait que l'enrôlement se fait par une base volontaire et que de nombreuses femmes viennent au camp pour apprendre à se battre et à se défendre. Je me réjouis de cette initiative qui a fait des petits dans de nombreux autres États. Des milliers de femmes de tous âges, certaines, certaines aussi jeunes que 18 ans, peuvent désormais suivre un entraînement militaire, ajoute-t-elle, avant de préciser que les volontaires doivent se soumettre à des examens médicaux rigoureux et que les femmes qui souffrent de maladies chroniques ou de problèmes de vue ne sont pas autorisées à participer aux formations. D'après les responsables de l'armée avec qui nous nous sommes entretenus, des camps d'entraînement pour femmes existent dans plusieurs États, dont ceux du Nil, de Khartoum, du Nord, de la mer Rouge, de Kassala, de, de Jedaref, ou du Nil bleu et du Nil blanc. Les femmes que nous avons interviewées euh, ont admis qu'elles avaient rejoint les camps pour apprendre à se protéger des violences sexuelles, en particulier celles commises par les membres des forces du, de soutien rapide. Elles se sont aussi dites pleinement disposées à combattre dans les rangs des forces armées. Le plus récent rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme indique qu'en date du 15 décembre 2023, au moins 118 personnes, dont 19 enfants, 98 femmes, un homme, 18 filles et un garçon, avaient été victimes de violences sexuelles, notamment, notamment de viols, de viols collectifs et de tentatives de viols. Donc c'est du déclaratif, bien sûr, donc euh, on n'a pas forcément toutes les déclarations, on pas forcément toutes les victimes. D'après le rapport, plusieurs de ces faits ont été commis chez les gens et dans la rue par des membres des forces de soutien rapide. On évoque par ailleurs le cas d'une femme qui a été gardée captive pendant 35 jours et violée à plusieurs reprises par plusieurs hommes. On y précise également que seules quatre victimes de violences sexuelles ont eu la volonté ou la capacité de signaler les faits aux autorités en raison de la stigmatisation, de la méfiance envers le système judiciaire, de l'effondrement des institutions de justice et des craintes de représailles. Le rapport, le rapport indique aussi que 39 faits de violence sexuelle ont été commis par des hommes portant l'uniforme des forces de soutien rapide et 9 euh, par des hommes euh, euh, par des hommes armés affiliés à celle-ci. Ces deux chiffres représentent ensemble 83 du nombre total de faits rapportés. Quant aux membres des forces armées soudanaises, ils ont été identifiés comme des auteurs, les auteurs des deux, de deux des faits de violence sexuelle signalés. Il est précisé que certains des faits dont il est question pourraient constituer des crimes de guerre. Je comprends qu'elle s'engage euh, aussi. Euh, je comprends qu'elle s'engage dans une armée et qu'elle suive un, un, un cours, enfin euh, une formation militaire. Hein, si c'est pour se défendre des violences sexuelles euh, qu'elles peuvent subir, euh, oui, c'est même évident. Au camp d'entraînement pour femmes de l'État de la Mer Rouge, des responsables nous ont dit que la plupart des participantes étaient des femmes déplacées qui avaient fui des zones de conflit et de guerre, notamment dans l'État de Khartoum, où elles avaient vécu dans d'horribles conditions. De nombreuses femmes ont subi des agressions sexuelles. Elles ont rejoint les camps mus par un vif désir d'apprendre à se défendre. Outre la formation au combat, les participantes assistent à des exposés sur la religion, la psychologie euh, et les enjeux sociaux. L'objectif est de les aider à se remettre des effets de la guerre et de leur faire connaître les moyens à leur disposition pour composer avec les conditions de vie difficiles qui caractérisent des situations de guerre. Les responsables espèrent que ces femmes partageront les apprentissages qu'elles y font avec d'autres femmes de leur communauté. Dans chaque camp, elles sont... Des milliers à recevoir un entraînement militaire, elles apprennent notamment à monter et à démonter les armes et à les utiliser et s'entraînent aux, aux arts martiaux pour savoir se défendre. La formation initiale dure 45 jours, après quoi la personne peut décider de suivre une autre formation plus poussée qui porte entre autres sur l'usage d'autres types d'armes et les techniques de combat. D'après les responsables, deux cohortes devraient bientôt terminer leur formation dans le camp d'entraînement pour femmes de l'État du Nord. 1000 femmes ont complété la phase d'entraînement initiale et 300 autres ont achevé la formation plus poussée. Ici, on voit une photo de la fumée qui s'élève au-dessus des bâtiments après un bombardement aérien lors d'affrontements entre les forces paramilitaires de soutien rapide et l'armée à Khartoum Nord au Soudan le 1er mai 2023. Une photo de Mohamed euh, Nureldine Abdallah pour Reuters. Au cours des dernières semaines, on a pu observer la présence accrue de femmes en tenue militaire. En collaboration avec l'armée et d'autres forces de sécurité, elles fouillent les voyageuses, à bord des les voyageuses à bord des autocars qui franchissent les points de contrôle établis près des frontières entre les États. D'après Alia Hassan-Abuna, les femmes qui ont achevé la formation avancée peuvent intégrer les rangs de l'armée et accomplir certaines tâches, notamment sécuriser les points de passage entre les États, contrôler et fouiller les, les femmes, soigner les soldats blessés, cuisiner les repas et travailler dans les sections auxiliaires. Elle ajoute... Elles ne participent pas directement au combat, mais sont capables de se débrouiller en cas de problème. Pour Anahid Saif al-Din, l'une des participantes à la formation dispensée dans le camp de l'État de la mer Rouge, participer aux côtés de l'armée à la guerre qui sévit au Soudan est un devoir, même pour les femmes, parce qu'il s'agit de défendre la terre, la patrie, l'honneur et l'argent. Les forces de soutien rapide échappent au contrôle des dirigeants et on doit donc les combattre. Les femmes ont le devoir de participer comme au jour du prophète de l'islam Mahomet. Quand elle soigne les le blessés et apporte de l'eau aux combattants, poursuit-elle. D'après elle, les camps permettent aux femmes d'apprendre à se protéger des violences sexuelles qui ont été le lot d'un grand nombre de femmes kidnappées et disparues. Je vais porter les armes sous la bannière et la supervision des forces armées car elles sont responsables de la protection de notre patrie, conclut-elle. Les camps d'entraînement sont supervisés par des membres des forces armées, l'un d'eux, le général de division, Essa Maldine Abdullah affirme que cette mobilisation vise à lutter contre l'injustice et l'agression que subit ce noble pays. Il ajoute « Dieu soit loué, les efforts de mobilisation ont porté leurs fruits et un grand nombre de femmes et d'hommes rejoignent les rangs des combattants ». Malgré le succès rencontré par les appels à la mobilisation lancés par les forces armées tant auprès des hommes que les femmes, nombreux sont ceux qui croient qu'il n'incombe pas aux civils de porter des armes et de se battre. Pour certains, les appels à la mobilisation et le recrutement de civils rappellent l'époque du président déchu Omar al-Bashir et les milices de défense populaire que le Soudan avait vu apparaître sous son régime. De jeunes filles avaient été, en effet, recrutées pour faire la guerre dans le Sud avant que celui-ci n'acquiert son indépendance. Le 9 juillet 2011, il est devenu le Soudan du Sud. Et plus tard, dans la région du Darfour, Berceau-des-Métis, où il commandait la milice arabe pro-gouvernementale des, ja des Janjawids, avant que celles-ci ne deviennent les rsf certains accusent le parti national du congrès ou le parti du congrès parti islamiste qui a porté omar al-bashir au pouvoir aujourd'hui dissous et d'anciens responsables politiques de créer, des, de créer ces camps pour reprendre le pouvoir après la fin de la guerre c'est notamment l'accusation portée par Emeti contre al-burhan amira osman une militante des droits humains qui est à la tête de l'initiative non à l'oppression des femmes renchérit on nous tue on nous viole on nous déplace on nous asservit on nous force à quitter nos foyers nous mourons des conséquences de l'oppression, de la pauvreté, de la maladie, et on nous demande maintenant de prendre les armes. Nous, les femmes, au Soudan, les femmes du Soudan et citoyennes de cette nation, sommes prises entre le marteau et l'enclume. Nous nous opposons à la guerre car elle n'apporte que destruction, mort et dévastation, ajoute-t-elle. Ceux qui veulent nous faire porter les armes, Al-Buran et Emeti, étaient alliés et ont fait tomber le gouvernement de transition du Premier ministre Hamdok en octobre 2021 sont aussi ceux qui ont appuyé, encouragé et entraîné les forces de soutien rapide alliées de l'armée jusqu'en avril 2023. Quand nous avons scandé non au contrôle de l'État par la milice, ils nous ont tués pour la défendre et préserver leur autorité. Quand ils ont été en désaccord entre eux, ils nous ont tués. Il, elle insiste sur le fait que les femmes ont un rôle de conciliation à jouer. Elles sont des créatrices de vie et ont la responsabilité de rebâtir ce pays en ruine. L'initiative non à l'oppression des femmes a adopté le slogan Un pays sans armes. Ala al karib directrice régionale de l'initiative stratégique pour les femmes dans la corne de l'Afrique, a quant à elle déclaré Les femmes soudanaises se sont retrouvées dans une situation extrêmement complexe avant la guerre. On a ainsi vu décliner les capacités des autorités patriarcales pour ce qui est de protéger les femmes et d'assurer leur, leur subsistance par des moyens traditionnels. Les femmes ont été contraintes d'entrer massivement sur le marché du travail, mais cela ne s'est pas accompagné, comme ailleurs dans le monde, de changements sociaux et politiques permettant de garantir leur protection juridique et politique. D'après elle, le Soudan a continué d'utiliser un cadre juridique obsolète, incompatible avec la nouvelle réalité. Et cela a créé une situation socialement hostile aux femmes, alors que l'économie et les conditions de vie exigent des femmes qu'elles soient présentes dans la vie publique. Elles y sont exposées à la violence et à l'oppression. La fréquence des violences à l'égard des femmes commises dans les lieux publics urbains a grimpé en flèche avant la guerre, ajoute Allah al-Karib. On se souvient tous des attaques perpétrées dans les dortoirs de filles et des viols commis pendant les manifestations et lors de la dispersion de sit-ins. Cela explique que de nombreuses jeunes femmes aient évoqué à l'époque le besoin qu'elles avaient d'apprendre à se défendre. La guerre a eu pour effet d'aggraver la violence à l'égard des femmes. Les viols, les meurtres et les enlèvements de femmes étant devenus l'une de ses principales caractéristiques, explique Alahal Karib. Comme l'armée est absente ou incapable de s'acquitter de ses fonctions, les femmes soudanaises se heurtent à la violence des milices et d'autres groupes armés. La majorité des femmes n'a pas la possibilité de migrer et il n'est donc, donc pas étonnant qu'elles décident d'apprendre à se défendre. Ala Al-Kharib décrit ici un paradoxe important. Alors que les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'être l'objet de violences en période de guerre, elles doivent mettre les bouchées doubles pour prendre soin des membres de leur famille et les nourrir et pour se défendre et défendre leurs enfants. Malgré tout, les grandes institutions politiques et militaires considèrent qu'elles n'ont pas les compétences nécessaires pour occuper des postes haut placés ou pour participer aux opérations politiques et aux opérations de sécurité. Malgré tout, <laughs> elles restent des femmes malgré tout. Quelle horreur. Un article de Mirvat Abdelkader pour, je l'ai dit tout à l'heure, Rasif 22, qui était publié en avril dernier. Je ne pense pas que la situation des femmes au, euh, au Soudan ait évolué depuis euh, le mois d'avril dernier. Enfin, bref, j'allais dire quelque chose d'un poil plus joyeux, mais en fait, pas tant que ça. Euh... On va parler du rappeur le plus courageux du monde. Je ne sais pas si vous connaissez... Je ne sais pas si vous le connaissez et j'ai pas accès. Pourquoi j'ai pas accès Ah, désolé. Donc, je, vais devoir... je vais devoir faire. Non, mais ça va, c'est bon. Ah, oh, putain. Euh. Alors je vais tester ça. Je vais tester ça. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas J'ai plus mon mot de passe, super. Ok. Génial. C'est bon là Bonjour Franck, comment ça va Ça faisait longtemps, dis donc, que je t'avais pas vu. Tu passes un bon lundi oh, Attends, je, je suis en train d'essayer de me connecter euh, Instagram sur euh, voilà, s'en fiche. Ok, hop, on revient. Oui, pas du tout ça que je voulais faire, voilà, <laughs> tout ça pour ça. Tout ça pour ça, non Putain. Je vais y arriver. Je fais plein de conneries là encore. Voilà. Enfin. On part en Iran donc... T'as fait des replays T'as regardé Ça t'a plu euh, Est-ce que mon casque est allumé Non. Voilà, je te jure, non mais sérieux. Il était bien réglé ce matin et tout, mais non. Et c'est parti. Attends, je remets. Figure emblématique de la révolution iranienne, le rappeur Toumaj Salehi, 33 ans, a été condamné le 24 avril 2024 à la peine de mort en Iran pour corruption sur terre, l'un des chefs d'accusation les plus graves dans le pays. On vous explique. Toumaj Salehi, né en décembre 1990 en Iran. Le Times revient sur son enfance marquée par deux figures masculines, celle de son père qui milite contre le régime des Mollahs. Des musulmans intégristes au pouvoir en Iran depuis la Révolution islamique de 1979 et le rappeur américain Tupac Shakur, connu pour ses textes engagés. Il a 15 ans en 2005 lorsque Mahmoud Ahmadinejad arrive au pouvoir en Iran. Très conservateur, ce dernier s'oppose à toute influence américaine dans la société iranienne et instaure la police des mœurs, chargée de veiller au respect des valeurs islamiques dans l'espace public. Mal porter son hijab, se promener en short ou encore consommer de l'alcool deviennent alors des motifs d'arrestation. De nombreux opposants politiques sont également arrêtés, parfois torturés et même condamnés à mort. Inspiré par son idole Shakur, Salehi commence à écrire sur l'injustice et les inégalités qui gangrènent la société dans laquelle il vit. La triste situation économique, les restrictions infligées aux femmes et les atteintes aux droits de l'homme, entre autres les meurtres de dissidents et les exécutions. Rapport The Times Touma ali se fait connaître du grand public en 2021 avec la sortie de son clip Rat Hole, dans lequel il évoque la pauvreté, la corruption des autorités et l'impunité. Ce succès lui vaudra une réputation de « Tupac iranien » auprès de ses fans, rapporte The Times, mais également un premier séjour en prison. En 2022, il prend part aux manifestations qui secouent l'Iran après la mort de Massa Amini, une jeune étudiante de 22 ans, décédée après son arrestation par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Un mois après sa mort, Touma Chalehi sort Battlefield, dans lequel il diffuse des images des manifestations. C'est le clip de trop pour les autorités iraniennes qui lancent à ce moment-là une vague de répression contre le mouvement. Plus de 500 Iraniens sont tués en marge des manifestations et près de 20 000 personnes, dont Touma Chalehi, sont arrêtées. D'abord condamné à 6 ans de prison, il est finalement libéré sous caution en novembre 2023, un an après son arrestation. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, il témoigne alors de la torture subie pendant sa détention. Il n'en faudra pas plus pour que Touma Chalehi soit de nouveau arrêté. Mercredi 24 avril 2024, un tribunal révolutionnaire finit par le condamner à la peine capitale, mais en raison de l'expression de remords par l'accusé, la justice. A estimé que le chanteur avait le droit à une remise de peine. Rapporte le journal iranien conservateur Amshari, précisant que le chanteur pourrait voir sa sentence évoluer en une longue peine de prison. L'annonce de la condamnation à mort de celui que la presse occidentale surnomme le rappeur le plus courageux du monde a suscité l'émoi de la communauté internationale. Touma chalé n'est pas le seul artiste dans le viseur des autorités iraniennes. Le 13 avril dernier, la dessinatrice iranienne Athena Fargadani a été violemment arrêtée alors qu'elle tentait d'afficher un de ses dessins à Téhéran, poursuivie pour propagande. Contre l'État, elle encourt elle aussi la peine de mort. On va rester en Iran. On va rester en, en Iran. Euh, avec, vous savez, on avait suivi euh, la mort du président précédent, je me souviens plus de son, son nom, qui était mort dans un, dans un crash d'hélicoptère, euh, qui était assez douteux d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc euh, en juillet, au début du mois de juillet, il y a eu une nouvelle élection qui a été marquée par l'abstention au premier tour euh, du, euh, du, du, du président euh, iranien. Et euh, donc c'est Massoud Pezeshkian, Pé un président réformateur qui est ouvert à l'Occident, qui est arrivé au pouvoir euh, au début du mois de juillet. L'Iran a élu un nouveau président, le réformateur Massoud Pezeshkian. Pezeshkian, je ne sais pas comment le prononcer. Qui souhaite ouvrir davantage son pays à l'Occident. Le politique était opposé à l'ultra-conservateur Saïd Jalili, afin de succéder à Ebrahim Raisi, qui est décédé dans un accident d'hélicoptère en mai dernier. On en avait parlé, euh, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Un article, donc, courrier international. Ici, on voit une photo de Massoud Pezeshkian à Téhéran, en Iran, le 3 juillet 2024, qui lève un poing en l'air, euh, et une photo de Hossein Beris pour Middle East Image et euh, l'AFP. Âgé de 69 ans, chirurgien cardiaque de profession et député, Massoud Pezeshkian n'a pas une grande expérience dans l'exécutif. Quasi inconnu, il a été ministre de la Santé de 2000 à 2004 dans le gouvernement réformateur de Mohamed Khatami. Kat euh, ou Khatami, je ne sais pas comment on le prononce non plus. Ce dernier, tout comme l'ancien président modéré Hassan Rouhani, a soutenu à plusieurs reprises ces derniers jours la candidature de Pezeshkian. Euh... Massoud Pézechian était le phénomène de cette élection, indique le quotidien Farir Fahri... Tegan, soulignant que personne ne pariait sur sa victoire. Toutefois, une partie de la communauté universitaire, des artistes et des militants se sont mobilisés en sa faveur. De leur côté, les opposants de la diaspora et les prisonniers politiques en Iran ont boycotté le scrutin. Les échiquants a obtenu près plus de 16 millions de voix, soit 53,6% des voix, sur 30 millions des votes contre plus de 13 millions de voix pour son adversaire Saïd Jalili, poids lourd des ultra-conservateurs connu pour son inflexibilité face à l'Occident. La participation pour ce dernier tour, pour ce deuxième tour, s'est élevée à 49,8%, après un premier tour le 28 juin marqué par une abstention historique. Un, une participation à 49,8%, c'est quand même peu. Ça reste 50% de la population qui n'a pas voté. Euh, C'est quand même beaucoup. Durant la campagne électorale, M. Pézéchian a promis d'entamer un dialogue avec l'Occident et de poursuivre une politique de désescalade avec les États-Unis, pays que le régime iranien considère comme son ennemi. Il a promis de mettre fin aux restrictions sur Internet, mais aussi à la présence de la police des mœurs, chargée d'appliquer l'obligation du voile aux femmes dans la rue, ce qui est une bonne nouvelle. Pour rappel, la mort de Massa Amini, détenue par cette unité de police, avait provoqué un vaste mouvement de contestation dans le pays à l'automne 2022. A l'époque, M. Pézéchian était l'un des rares politiciens à avoir dénoncé vivement les autorités pour ce drame. Lors de débats, des débats télévisés, le politicien réformateur a plaidé pour accroître la présence des minorités religieuses et ethniques, ainsi que des femmes, dans le système politique iranien. Ainsi, le, le quotidien Farir, euh, Farir Tegan affiche l'espoir... Que le nouveau président puisse réduire les fractures sociales et ethniques dans le pays et utiliser des élites dans son gouvernement. Bien que les images des bureaux de vote ne montrent pas une forte mobilisation des femmes pour lui, les femmes des régions iraniennes du Kurdistan et du Baloutchistan, ainsi que celles des provinces sunnites, ont voté pour lui, croit savoir le quotidien Amchari. C'est parce que j'ai. Ok, d'accord. Une nouvelle élection, ouais. ouais, désolé. Le sociologue Mohamed Fazeli, dans une rubrique publiée dans Le Quotidien, a appelé échéant » à écouter les voix de ceux qui ont boycotté les élections et à parler à la population de la réalité des défis auxquels devra faire face, euh, devra faire face son futur gouvernement. Immédiatement après l'annonce de la victoire de Pezeshkian, la valeur du rial a augmenté par rapport au dollar et l'indice boursier s'est amélioré en Iran, rapporte de son côté le média d'opposition Radio Farda. Depuis le retrait en 2018 des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions contre Téhéran, la monnaie nationale iranienne avait perdu de près de 90% de sa valeur, explique le média persanophone. Pour le média d'opposition Iran International, le boycott des élections a été une grande victoire pour les opposants. Même en considérant les statistiques officielles qui ne sont pas fiables, Pesejkian devra bientôt répondre à une grande vague de revendications populaires, rappelle le média basé à Londres. Argan étant néanmoins que le président en Iran dispose de prérogatives limitées. Ainsi, il ne serait pas en mesure, selon Iran International, de surmonter des défis majeurs comme l'existence d'un grand nombre de prisonniers politiques, la déplorable situation des droits de l'homme en Iran, la question du hijab obligatoire et celle des droits des femmes. On verra bien ce qui se passera. Effectivement, ça va être compliqué pour lui, le pauvre. Après, bon, l'Iran, c'est compliqué globalement. Hein. Mais voilà, pour ce qui est de l'Iran et euh, de euh, ce qu'il s'y passe, c'est toujours un peu euh, une catastrophe euh, démocratique et euh, pour les libertés des Iraniens et des Iraniennes, surtout, qui sont contraintes et forcées de porter un voile dans ce pays. Vous le savez, on en avait déjà parlé. On parlera bientôt euh, de, des États-Unis, de plusieurs petites actualités internationales, euh, plusieurs politiques, pardon, de plusieurs actualités non politiques d'ailleurs euh, aux États-Unis. Enfin, c'est plutôt tout des politiques, mais euh, pas, euh, on ne parlera pas forcément que de Trump. On en parlera, on, ira, on fera un tour aussi euh, au Mexique euh, bientôt. On ne va pas en parler aujourd'hui. on en parlera, on ira faire un tour, euh, un tour des actualités américaines. Là, on va rester en Afrique. Et euh, en Asie, mais surtout en Afrique encore, euh, avec euh, un point sur l'Afrique du Sud et l'ANC qui a perdu sa majorité. Il y a eu beaucoup d'élections hein, au début de cette année, euh, ces six premiers mois de l'année, beaucoup d'élections. Et, euh, et il y a eu aussi une élection en Afrique du Sud. Donc l'ANC euh, qui était majoritaire en Afrique du Sud, euh, qui a perdu sa majorité. Donc quel avenir pour l'Afrique du Sud 30 ans de majorité absolue pour l'ANC. On prit fin le 29 mai pour le Congrès national africain. Donc ce qu'on appelle l'ANC, c'est le Congrès national africain. S'il reste majoritaire, le parti est déjà en quête d'entente pour constituer un gouvernement d'union nationale. Mais avec qui l'ANC s'alliera-t-il Interroge The Economist. Entre la radicalité des gauches, euh, de gauche des EFF et le centrisme libéral de l'Alliance démocratique, deux modèles de société s'opposent frontalement. On dirait la France. <laughs> C'est pas très drôle. C'est drôle. Un article qui a été publié sur The Economist le 4 juin. Donc, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe au niveau politique en Afrique du Sud, donc je vais découvrir avec vous tout ça. Euh, ici, on voit une, photo, une, une, une caricature de Cyril Ramaphosa sur le drapeau élection euh, en Afrique ici South Africa Election euh, en Afrique du Sud. Un dessin donc c'est Cyril Ramaphosa ici et un dessin d'Amorine pour euh, Cartoon Movement au Brésil. On n'est pas les seuls dans la merde non. Le Congrès national africain, alors je ne sais pas si on a inspiré le Venezuela, mais bon, je pas jusque-là. Le Congrès national africain, l'ANC, le plus ancien mouvement de libération du continent, faire de lance de la résistance à l'apartheid au pouvoir depuis 1994, ne constitue plus une force hégémonique sur la scène politique sud-africaine, avec 40,2% des votes. Euh, L'ANC obtiendra 159 sièges sur 400 contre 230 parlementaires auparavant. Cyril Ramaphosa va devenir le premier dirigeant de l'ANC sans majorité parlementaire, donc c'était lui en fait, Cyril Ramaphosa, caricaturé ici. Alors que son héros, Nelson Mandela, avait volontairement choisi magnanime de présider un gouvernement de coalition avec l'ANC, le Parti national et le Parti Zulu-Inkata. Durant les trois premières années de la démocratie multiraciale, le président sud-africain n'aura d'autre solution que de parvenir à un accord s'il veut que son parti reste aux commandes. Par conséquent, les deux semaines qui viennent vont être le théâtre de négociations politiques les plus importantes à avoir lieu en Afrique du Sud depuis les pourparlers qui, au début des années 90, ont mis fin au pouvoir blanc. Donc c'est les deux semaines qui se sont déroulées depuis le 4 juin, donc ils ont dû trouver une solution, j'imagine, depuis. Je n'ai pas forcément l'information de mon côté, donc si vous l'avez, tant mieux. Vous pouvez partager dans le chat. Pragmatisme ou populiste Populisme. Ramaphosa, qui avait alors endossé un rôle clé dans, les discussions, dans ces discussions pour le compte de Mandela, doit une fois de plus relever un défi capital. Les résultats précis, y compris ceux des élections provinciales qui se déroulent en simultané, auront une influence sur l'évolution des négociations. Mais il n'y a, a de toute façon que deux destinations possibles, le pragmatisme ou le populisme. La voie qu'empruntera le pays dans les années à venir va dépendre de ce que le président et d'autres acteurs politiques décideront dans les prochains jours. À la veille des élections, bien des analystes estimaient que l'ANC ferait mentir les sondages et s'assurerait la majorité, un peu comme Macron finalement. Ils avaient tort. Des années de baisse de niveau de vie, des dégradations des services publics et de hausse de la criminalité ont poussé les Sud-Africains à s'éloigner du parti au pouvoir. L'apparition d'Umkonto, oui, euh, oui, 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 si. Oui. Sous la férule de Jacob Zuma, remplacé par Ramaphosa en 2018, a offert à nombre de mécontents un nouveau moyen de s'exprimer. L'ancien président de, 2008, de 2009 à 2018 a su exploiter tant les griefs matériels, le MK se réclame de la lutte originelle de la NC contre l'Apartheid et a repris le nom de sa branche armée créée par Nelson Mandela, qui signifie fer de lance de la nation. Que l'identité tribale Zoulou pourra s'annoncer un coup vengeur à Ramaphosa avec 14,5 des voix, soit 58 sièges. Le MK devient le, la troisième force du pays. Et maintenant, l'Assemblée nationale doit se réunir dans les 14 jours pour une séance sous la houlette du président de la Cour constitutionnelle. De nouveau, les nouveaux députés présents devront alors élire un nouveau président et un nouveau président de l'Assemblée à la majorité simple. Puis le président qu'ils auront désigné formera un gouvernement et nommera ses ministres. Mais avant d'assister à la pompe de ces formalités télévisées, il se sera passé des choses peu reluisantes dans les coulisses politiques. Ramaphosa a peut-être intérêt à utiliser la calculette de son iPad pour voir s'il peut rassembler une coalition composée de l'ANC et d'une constellation de petits partis dont les dirigeants seraient ravis d'être nommés vice-ministres du tourisme culturel ou quelques autres sinecure. Mais l'ANC est tombé si bas qu'il va lui falloir un accord avec une formation plus importante pour continuer à gouverner. Ce qui pourrait le contraindre à s'entendre avec l'une ou l'autre de ces ex-croissances extrémistes, le MK et les Economic Freedom Fighters, les EFF, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, d'extrême gauche, marxiste-léniniste et panafricaniste, voire avec les deux. Je ne sais pas si on doit euh, juger que euh, comme euh, la France insoumise est considérée d'extrême gauche en France et que alors que ce n'est pas d'extrême gauche, on peut peut-être se poser la question de est-ce que l'E.F.F est vraiment d'extrême gauche Je ne sais pas, je ne connais pas du tout la situation politique en Afrique du Sud. Je découvre encore une fois avec vous. Donc, euh, si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Ça peut être très intéressant. Une perspective qui ne peut qu'instinctivement déplaire à beaucoup de modérés de l'ANC, dont Ramaphosa, mais une telle alliance répond à une certaine logique, aussi froide et cynique soit-elle. Les EFF qui ont obtenu 9,5% des voix et le MK appartiennent à la famille politique de l'ANC, même s'ils en sont les brebis galeuses. On pourrait se, ils pourraient se satisfaire d'une sorte d'accord global en fonction du résultat des élections provinciales. Le risque de voir l'ANC s'associer à des partis aussi ouvertement populistes a semé la panique sur les marchés, non sans raison. Le rende a fléchi d'au moins 2% face au dollar, l'indice de la bourse a chuté de 2,3% et les taux d'intérêt exigés par les investisseurs pour détenir des obligations sud-africaines en devises locales ont augmenté de 8 points pour atteindre 12,13%. Une autre solution consisterait pour l'ANC à se tourner vers l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition du pays qui a obtenu près de 22% des voix, soit 87 députés. Ce qui renforcera la possibilité de voir l'Afrique du Sud se doter d'un gouvernement raisonnable qui appliquera, une, qui appliquera une politique centriste. Je pense qu'il y a un parti pris dans cet article assez, assez monstrueux. C'est pour ça que je pose la question sur extrême gauche. John Weiser, le dirigeant de la DA, avait déclaré qu'il était disposé à conclure un accord avec les modérés de l'ANC pour éviter que ce dernier ne s'associe aux EFF et n'entraîne l'Afrique du Sud sur la même voie que le Venezuela ou le Zimbabwe. Ok. « Rien ne porte à croire qu'il ait changé d'avis depuis. Ça ne ce serait pas moins un énorme pari pour les deux formations. Dans les rangs de l'ANC, beaucoup seraient horrifiés à l'idée de gouverner avec ce qu'ils considèrent comme un parti blanc. D'aucuns s'inquiéteront d'avoir plus de mal à faire main basse sur le butin du pouvoir. L'ADA redoute que, comme d'autres partenaires minoritaires dans des coalitions ailleurs dans le monde, on lui reproche tout ce qui ne va pas et on ne lui attribue jamais le mérite de ce qui fonctionne. » De plus, en entrant au gouvernement, il lui faudrait renoncer à son rôle de principal critique de l'ANC. Ses dirigeants pourront certes affirmer qu'ils font passer le pays avant leur parti, mais cela choquera certains de ses électeurs. Quoi qu'il advienne, les résultats sont, ont en quelque sorte transformé Ramaphosa en canard boiteux. Ces dernières années, son autorité découlait du fait qu'il était plus populaire que le parti et ses successeurs potentiels, une valeur vouée à décroître puisqu'il ne peut pas se présenter pour un mandat supplémentaire. Aujourd'hui, il paraît encore moins probable qu'il aille au bout de ce second mandat de 5 ans à la présidence. L'ANC a sans doute déjà réfléchi à le remplacer à la tête du parti et son successeur sera vraisemblablement désigné en 2027. L'ANC a un peu, un peu pour tradition de défenestrer ses chefs ayant expulsé Zuma et son prédécesseur Tabo Mbeki avant la fin de leur mandat respectif. Ironie du sort, dans les années 90, Ramaphosa avait été l'habile interlocuteur du Parti national sur le départ. Aujourd'hui, dans les années 2020, dans le sillage de ses propres erreurs, il se retrouve à devoir négocier la fin de l'hégémonie de l'ANC. Et voilà pour cet article de The Economist, publié le 4 juin dernier. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre-temps. Entre-temps, ils ont dissous l'Assemblée nationale et organisé les JO. Donc, <laughs> ça, c'est la France. Euh, ils ont envoyé la police sur les manifestants. Ah non, ok, d'accord. Ok. <laughs> bon, en fait, non. Ni l'un ni l'autre. Très bien. Donc pas du tout. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore là J'ai un article. Alors attends. J'ai un article de... Euh, du 35e anniversaire de Tiananmen, qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps aussi. Euh, C'était le 4 juin, encore une fois. Donc on reste sur... Euh, cette fois-ci, on repart en, en Asie, donc on va à Taïwan qui critique la Chine. La répression de la place Tiananmen à Pékin par le gouvernement chinois ne disparaîtra pas dans le torrent de l'histoire, a affirmé le nouveau président taïwanais Lei Xingte mardi pour le 35e anniversaire de l'événement. Un article du 4 juin publié sur France 24. Ah, intéressant, je vais aller voir ça. Euh, je peux le lire, je peux le lire. Trop bien, je peux le lire. Attends, on va finir avec, euh, on va finir avec ça, du coup. Merci pour l'article peut-être très intéressant. Puis on reviendra à Tiananmen juste après pour finir, je pense, cette matinale. Gouvernement de coalition en Afrique du Sud, l'ANC se taille la part du lion. Donc c'est pour faire la suite de l'article qu'on vient de lire. Euh, malgré la gifle électorale de mai, le Congrès national africain s'octroie 60% des ministères. Son principal adversaire, l'Alliance démocratique, hérite de six portefeuilles. Donc ils ont finalement choisi de faire alliance avec un parti blanc. Euh, un article de Mathilde Boussion, publié le 1er juillet. C'est une, une, euh, une correspondante du Monde Afrique à Johannesburg. Ici, on voit une photo du président sud-africain Cyril Ramaphosa, ici à Pretoria, la capitale, le 19 juin 2024. Une photo de Phil Magakoe pour l'AFP. C'était probablement, probablement la plus attendue de ce que les Sud-Africains appellent depuis la pandémie de Covid-19 leur réunion de famille. Dans une adresse à la Nation dimanche 30 juin, le président Cyril Ramaphosa a annoncé, euh, a annoncé la composition de son nouveau gouvernement. Après la gifle essuyée par le Congrès national africain à l'issue des élections du 29 mai, il fait entrer de plein pied le pays dans l'ère des coalitions. Le parti qui a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale est contraint de partager le pouvoir pour la première fois depuis la fin de l'apartheid. Sur les 18 formations représentées au Parlement, 10 se sont finalement ralliées à son appel à former un gouvernement d'union nationale. La mise en place du gouvernement d'union nationale sous, la forme, sous sa forme actuelle est sans précédent dans l'histoire de notre démocratie, c'est très très bien, a rappelé Cyril Ramaphosa, saluant la faculté des partis à avoir trouvé un accord en si peu de temps. Face à une situation inédite, il aura en effet fallu à peine un mois aux forces en présence pour s'entendre. Quand des démocraties rompues à l'exercice des coalitions mettent parfois plus de six mois pour y parvenir, n'est-ce pas, les Français <laughs> Bienvenue, Musique Viro parmi nous, merci pour le follow. Euh, et bonjour, comment vas-tu? Poids lourd de cette coalition, l'opposant historique de l'ANC, l'Alliance démocratique DA hérite de six ministères, le dirigeant du parti du centre droit qui plaide pour des réformes libérales, John Steenhuizen. Prend les commandes du ministère de l'Agriculture, amputé toutefois de l'épineux dossier de la réforme agraire. Le parti dirigera également le puissant ministère de l'Intérieur, chargé notamment de la politique d'immigration. En avril, l'Alliance démocratique promettait de sortir des ténèbres. Des ténèbres, et là, ça va, et toi <laughs> J'aime bien tes petits smileys en forme de dauphin. Euh, en avril, l'Alliance démocratique promettait de sortir des ténèbres cette administration dysfonctionnelle où plus de 90 000 demandes de visas sont en attente depuis des mois, parfois des années, aux grands dames des investisseurs étrangers. L'ADA sera également chargée de l'éducation, de l'environnement, du ministère de tra des travaux publics et de celui de la communication. Il met enfin le pied dans la porte des très influents ministères des Finances et ministères de l'Électricité et de l'Énergie avec des postes de ministre adjoint, secrétaire d'État. L'ADA est fière de relever le défi et de prendre place pour la toute première fois au sein du gouvernement national où nous pourrons amener notre, expéri notre expérience d'excellence en matière de gouvernance, de tolérance zéro à l'égard de la corruption et d'élaboration de politiques pragmatiques fondées sur les résultats, s'est réjouit son chef John Stewisen dans un communiqué. Le parti est toutefois loin d'avoir obtenu tout ce qu'il désirait. Compte tenu de son score aux élections, 21,8% des voix il espérait décrocher au minimum huit portefeuilles ministériels et s'il était acquis que le ministère des finances resterait dans le giron de son actuel occupant enoch Godonwana, dont le sérieux est salué la formation convoitait le ministère du commerce et de l'industrie cyril ramaphosa qui avait accédé à cette demande est finalement revenu sur cette concession le ministère chargé notamment des mesures économiques destinées à corriger les inégalités héritées de l'apartheid est un portefeuille particulièrement sensible pour l'ANC, alors que l'Alliance démocratique s'oppose aux politiques de discrimination positive portées par le Parti de libération de l'Afrique du Sud. Plusieurs moments de tension ont, ont ainsi émaillé les négociations, dont les dessous se sont étalés sur les réseaux sociaux au gré des fuites. L'Alliance démocratique a notamment irrité l'ANC en exigeant que les directeurs généraux des ministères dont elle aurait la responsabilité soient choisis par ses soins, de peur que le personnel issu du Parti de Libération ne fasse obstruction à sa gestion. Une requête formulée dans un courrier jugé offensant et condescendant par Cyril Ramaphosa, qui accusait qui a en retour à la DA de vouloir mettre en place un gouvernement parallèle. Au-delà de son score aux élections législatives, l'Alliance démocratique disposait d'un second levier dans les négociations, dans les provinces de Johannesburg et du Durban. Les deux plus riches d'Afrique du Sud allaient désormais un allié nécessaire au Congrès national africain euh, au sein des gouvernements provinciaux. Mais le parti de Cyril Ramaphosa est parvenu à déplacer le rapport de force en ralliant neuf autres partis aux négociations pour la formation du gouvernement d'union nationale. Grâce à eux, et même en cas de rupture avec l'Alliance démocratique, l'ANC serait encore à la tête d'une alliance rassemblant 201 sièges sur les 400 que compte l'Assemblée nationale, soit tout juste le nombre de voix requises pour faire adopter des lois. La majorité de ses alliés secondaires, dont certains ne comptent qu'un ou deux sièges parlementaires, ont été chouchoutés par l'ANC qui a octroyé des postes de ministre ou des ministres adjoints à sept d'entre eux. À la tête de l'Alliance patriotique, parti de défense de la minorité colored, les Métis, qui a recueilli à peine 2% des voix aux élections, l'ancien membre de gang repenti Gayton McKenzie devient ainsi ministre des Sports et de la Culture. À l'opposé du spectre politique, le dirigeant du parti Afrikaner Freedom Front Plus, 1,3% des voix, Peter Grunwald prend la tête des services carcéraux, un large éventail qui a permis à Cyril Ramaphosa de vanter un gouvernement représentatif du peuple sud-africain. Rompu à l'art de la négociation, le chef de l'État avait joué un rôle clé dans les discussions vers une transition démocratique à la fin de l'apartheid. 30 ans plus tard, il constitue habilement un gouvernement qui permet à l'ANC de garder la main haute sur le pouvoir en dépit d'inévitables concessions après sa débâcle électorale. Finances, affaires étrangères, justice, défense, police, le parti conserve, conserve les portefeuilles les plus puissants ainsi que la vice-présidence. Dans un courrier ad adressé à, la, à John Steenwiesen le 25 juin, Cyril Ramaphosa reprochait à l'Alliance démocratique de détourner l'attention de l'intérêt national en cherchant à obtenir un nombre de postes proportionnel à son score dans les urnes. Le président ne s'est pas embar embarrassé de telles considérations pour les siens. L'ANC, qui n'a rassemblé que 40% des voix au scrutin de mai, conserve plus de 60% des ministères au sein d'un gouvernement pléthorique qui en compte 32. Ah oui, désolé, il y a beaucoup d'informations, euh, effectivement, je lis très vite. Mais donc, ce qui s'est passé, en fait, pour résumer un peu, euh, grossement résumé, euh, en Afrique du Sud, ici, donc un article de Mathilde Bouisson qui nous explique ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est que l'ANC, donc euh, le, le parti à la tête du pays depuis euh, la fin de l'apartheid dans les années 90, à pas gagné l'élection, mais ils n'ont pas perdu non plus. Ils ont fait 40% des voix en mai. Et euh, du coup, euh, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu et se sont retrouvés dans la même situation finalement qu'Emmanuel Macron en France ou que la gauche même en France en fait. Euh, ils se sont retrouvés à être minoritaires à l'Assemblée. Et donc ils ont dû faire une coalition. Donc ils ont été cherchés, ils ont appelé les autres partis. Donc sur les 18 autres partis, il y en a 10 qui ont accepté de rejoindre la coalition. Et donc ils ont constitué un gouvernement de coalition avec des responsables de, différents, euh, de différentes organisations politiques pour constituer ce, ce gouvernement. Et donc ils ont donné plusieurs ministères à plusieurs autres partis, plus, plus ou moins minoritaires, et euh, ils ont constitué une coalition. Ce qui est plutôt très intéressant et plutôt très malin. Euh, et c'est rare de voir ce genre de, de, de situation se produire dans un pays qui avait l'habitude d'avoir une majorité, de, de, de transformer un peu son fonctionnement en suivant la Constitution et en respectant la Constitution, en faisant une coalition. On a l'habitude de voir des coalitions dans les pays voisins de la France, en Allemagne par exemple, ils font des coalitions pour gouverner, c'est quelque chose de très euh, normal pour eux. Mais dans notre pays, euh... <laughs> dans notre pays en France, on n'a pas euh, cette culture de la coalition et donc on a aujourd'hui trois blocs bien distincts qui refusent de travailler les uns avec les autres, ce qui est une véritable catastrophe euh, pour, euh, pour gouverner. Euh, la France, parce que là, on se retrouve dans une situation complètement inextricable où euh, le président refuse euh, de nober euh, qui que ce soit de la gauche euh, à son gouvernement et encore moins de l'extrême droite, donc c'est vraiment catastrophique. Et donc voilà, bonne journée à toi, Franck, des bisous, à bientôt. Et donc voilà, donc, je reviens sur la dernière actualité dont on va parler ce matin, euh, le 35e anniversaire de Tiananmen. Donc je le disais tout à l'heure, Taïwan critique la Chine. La répression de la place Tiananmen à Pékin par le gouvernement chinois ne disparaîtra pas dans le torrent de l'histoire, a affirmé le nouveau président taïwanais Lei te mardi pour le 35e anniversaire de l'événement. Et bonjour Seb, on peut accepter de ne pas travailler avec le RN, effectivement. <laughs> Il n'y a aucun problème. <laughs> aucun problème, au contraire. C'est très bien. <laughs> pas de problème. Mais c'est vrai que c'est dommage que la gauche aussi refuse de, de faire une alliance avec... Enfin, euh, de faire une alliance. De travailler avec... Enfin, euh, c'est pas la gauche qui refuse. C'est Macron qui refuse que la gauche euh, rentre au gouvernement. Après, euh, je, je pense que la France insoumise, ils ont pas envie non plus de rentrer au gouvernement. Hein, mais euh, je pense pas que ce soit une bonne idée. Encore une fois, je l'avais déjà dit, je pense pas que ce soit une bonne idée de toute façon que euh, la gauche rentre dans un gouvernement macroniste... Pendant les deux prochaines années, parce que ça ne ferait que euh, faire baisser euh, l'estime que la France a pour la gauche, et euh, ça ne ferait que provoquer euh, une chute de, des scores en 2027. Donc, ce serait une, une, une vraie erreur pour le coup. Mais euh, j'entends hein, que euh, la gauche souhaite absolument prendre la, la, le premier ministre, enfin la, le poste de premier ministre, et, euh, et, euh, et euh, composer un gouvernement de, de gauche. Mais vraiment, ce serait catastrophique. Je, je pense vraiment que stratégiquement, ce serait une vraie catastrophe. Et oui. Un article ici du 4 juin, publié sur France 24, je le disais tout à l'heure. Ici, on voit la place Tiananmen avec le portrait de Mao Tsetung le 4 juin 2024 à Pékin. Euh, on va regarder ça. Un geste furtif pour commémorer la répression de la place Tiananmen. Au milieu d'une rue du centre-ville de Hong Kong, l'artiste San Muchen trace 8964 dans les airs en référence au 4 juin 1989. Il est rapidement arrêté par la police. À quelques centaines de mètres de là, le parc Victoria, sous bonne garde policière. Des commémorations y rassemblaient chaque année des dizaines de milliers de personnes jusqu'à leur interdiction en 2020. Malgré la répression, ce magasin continue de vendre des autocollants commémorant le 35e anniversaire des manifestations de Tiananmen. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir se rendre à Victoria Park, parce que la veillée aux bougies symbolise l'espoir dans le cœur des gens. L'espoir démocratique brisé par la répression. Le 4 juin 1989, à Pékin, sur la place Tiananmen et dans les rues voisines, de nombreux manifestants pro-démocratie avaient été tués par l'armée. Les victimes se comptent en centaines, voire en milliers de morts. Le bilan ne sera probablement jamais connu. Depuis 2020 à Hong Kong, deux lois sur la sécurité nationale ont permis de criminaliser toute voix dissonante à l'égard du pouvoir de Pékin. Cet artiste hongkongais a dû s'exiler à Taïwan pour continuer d'entretenir la mémoire du mouvement de Tiananmen le message que nous voulons envoyer au parti communiste chinois est que nous n'oublions pas nous n'oublions pas qu'il y a 35 ans le parti a tué des citoyens en toute illégalité lundi au moins 8 personnes avaient déjà été arrêtées à hong kong pour des messages publiés en ligne en référence au massacre de tiananmen À l'occasion du 35e anniversaire de la répression de la place euh, Tiananmen par le gouvernement chinois, le nouveau président taïwanais Lei Xingte s'est fendu d'un message sur Facebook. « Les souvenirs du 4 juin ne disparaîtront pas dans le torrent de l'histoire et nous continuerons à travailler dur pour maintenir cette mémoire historique en vie pour tous ceux qui sont attachés à la démocratie chinoise. » C'est très très triste, oui. C'est glauque et c'est horrible. Parce que cela nous rappelle que la démocratie et la liberté ne sont pas faciles à obtenir, nous devons répondre à l'autocratie par la liberté et faire face à la montée de l'autoritarisme par le courage", a ajouté le dirigeant. Le 4 juin 1989, la Chine a envoyé des troupes et des chars contre les manifestants pro-démocratie et pacifiques au niveau de la grande place centrale de Pékin pour mettre fin à des semaines de protestations appelant à un changement politique. Des centaines de personnes, voire plus, euh, voire plus d'un millier selon euh, certaines estimations, ont été tuées. Une censure, le sujet est particulièrement sensible pour les dirigeants communistes chinois et toute mention de la répression est strictement censurée dans le pays. De nombreux jeunes chinois ignorent aujourd'hui ce pan de l'histoire de leur pays en raison de cette censure. Ça fonctionne donc, malheureusement. Aujourd'hui, pour parler de ce 35e anniversaire. Alors, là... Je ne vais pas faire passer cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la, dans la description. À Taipei, une, vie, une veillée annuelle est, est prévue mardi à 18h40. Donc elle avait été prévue au mémorial Chiang Kai, Tchèque. La Chine estime que Taïwan est l'une des provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec son territoire depuis la fin de la guerre civile et l'arrivée au pouvoir des communistes à Pékin en 1949. Pékin a accusé le président Lai Ching-te de pousser l'île vers la guerre, le taxant d'être un dangereux séparatiste, et a organisé en mai les manœuvres militaires d'ampleur autour de Taïwan. Ici, on voit une photo du président taïwanais Lai Ching-te à gauche, écoute un officier de l'armée taïwanaise le 28, 28 mai 2024 à Hualien, à Taïwan le parti démocrate progressiste de lei ching tai défend, défend, qui défend, euh, défend la souveraineté de taïwan qui dispose de son propre gouvernement d'une armée et d'une de, et devise un pays vraiment respectable est un pays où les gens s'expriment a t il écrit dans sa publication mardi tout régime doit se confronter à la voix du peuple surtout de la jeune génération parce que le changement social dépend souvent d'opinions diverses a ajouté le dirigeant taïwanais à l'avenir, nous continuerons à unir toutes les forces pour renforcer la démocratie à Taïwan et travaillerons dans, avec des pays qui partagent les mêmes valeurs pour construire un monde meilleur. Pékin avait affirmé en 1989 avoir mis fin à des émeutes contre-révolutionnaires, dans, dans ce qui, hors du pays, a été vu comme un massacre d'innocents, parmi, le, parmi lesquels de nombreux étudiants. Interrogé au sujet du 35e anniversaire de l'événement lundi, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que Pékin était parvenu depuis longtemps à une conclusion claire concernant les troubles politiques survenus à la fin des années 80. Sur la place Tiananmen, des groupes de touristes portant des couvre-chefs luo assortis ont été vus mardi matin prenant la pause à côté de, du mausolée du dirigeant chinois Mao Tse-tung dans un contexte de présence sécuritaire importante mais pas inhabituelle. L'accès à la plus grande place au monde, qui est bordée de nombreux bâtiments officiels ainsi que de la Cité interdite, est en toute période strictement contrôlé et nécessite une autorisation. Ici, on voit des agents de police qui sont positionnés sur la place Tiananmen le 4 juin 2024 à Pékin. Et il y a pas mal de barrières et de plots. J'imagine que c'est extrêmement sécurisé. Et merci The Mister Opéra pour ton soutien sans faille pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et si tu as mis un message, je ne l'ai pas vu. Mais merci, c'est très gentil. Hong Kong sous surveillance. À Hong Kong, ancienne colonie britannique restituée à la Chine en 1997, une huitième personne a été arrêtée lundi en lien avec une nouvelle loi sur la sécurité nationale pour des messages postés sur les réseaux sociaux au sujet de l'anniversaire de la répression. Hong Kong a été longtemps le seul endroit en Chine où il était toléré. <coughs> le date où arrête ton char est un vrai truc. Hong Kong a été longtemps le seul endroit au Ch de Chine où il était toléré la commémoration du massacre du 4 juin 1989, mais ces commémorations, souvent sous forme de veillées aux chandelles en hommage aux nombreux manifestants tués, ont été interdites à partir de 2020 quand Pékin a imposé une loi sur la sécurité très restrictive à la suite d'une vague de manifestations pro-démocratie géantes et parfois violentes. Merci, c'est gentil en tout cas. Ça marche, bonne pause. Après, on va juste après de cet article-là, dans quelques instants, on va parler de la baisse de natalité au Japon et euh, de, euh, de ce qu'ils ont choisi de faire, donc c'est plutôt drôle, donc euh, n'hésite pas à revenir, enfin euh, c'est plutôt drôle, c'est plutôt euh, plutôt mignon, parce que c'est le dernier article promis, après celui-ci je pense que j'en je, ferai pas d'autres, j'ai vu en fait que j'avais encore cet article sur le Japon, comme j'ai fait un peu Afrique-Asie ce matin et que du coup il me restait cet article-là, je me suis dit on va en parler maintenant, donc euh, juste après on parle du Japon. Euh, une des de chrétien local, le Christian Times, a laissé, la, a, a laissé sa une quasiment vide dans son édition de samedi et écrit qu'il ne pouvait répondre à la situation actuelle qu'en remplaçant les paragraphes par des blancs dans une société devenue tellement restrictive. L'accord de rétrocession garantissant en principe un, principe un régime étendu de liberté dans l'ancienne colonie jusqu'en 2047. Un article, je le disais, de France 24 avec l'AFP, euh, publié le 4 juin dernier. Et donc, je continue ma tournée de l'actualité mondiale, cette fois-ci avec quelque chose de plus léger. On part au Japon. Et là, au Japon, eh ben, on a une, restriction, une diminution de la natalité. Mais contrairement à la France, où le président a juste, a juste dit qu'il fallait euh, activer un, un réarmement euh, démographique. Le Japon a mis, euh, a mis beaucoup plus de moyens et a créé du coup une application de rencontre. <laughs> Je trouve ça tellement mignon <laughs> et en même temps un peu intrusif quand même. Mais pour soutenir les Tokyoïtes cherchant à se marier mais ayant du mal à trouver l'âme-sœur, la capitale japonaise va lancer une application cet été. Celle-ci exigera à des usagers qu'ils fournissent un certificat de célibat. Un article qui a été publié le 9 juin. Euh, 2024 à midi euh, sur le courrier international, on s'en fiche un peu de l'heure, désolé. Et donc là, on voit une photo dans un magasin de Tokyo au Japon en janvier 2014, une photo de Yuyashino où on voit un cœur avec marqué Love au milieu et on voit plein de petites flèches euh, tout autour avec euh, visiblement des points. Et euh, j'ai l'impression que pff, les gens euh, mettent des flèches dans le, dans le cœur. Pour endiguer la chute de la natalité, certaines collectivités territoriales japonaises ont créé des événements afin que les célibataires puissent se rencontrer. On en avait parlé il y a pas longtemps. On avait parlé d'un événement qui avait été organisé pour endiguer cette chute de la natalité, un événement de rencontre dans un parc où il fallait s'inscrire et que tous les célibataires étaient invités. Et, euh, et euh, c'était genre, euh, c'était un événement où il y avait plein de célibataires qui devaient se rencontrer les uns et les autres pour pour fonder des familles et, et voilà et en fait ils ont ils organisent vraiment plein d'événements comme celui comme celui ci euh, mais mais pas forcément avec beaucoup de succès visiblement donc cependant confronté au fait que le déclin euh, démographique ne donne aucun signe de ralentissement dans le pays les autorités de Tokyo ont décidé d'aller encore plus loin afin de soutenir les Tokyoïtes souhaitant trouver l'âme sœur le gouvernement de la capitale nippon est en train de développer une application de rencontre qu'elle prévoit de lancer officiellement cet été à apporter la chaîne publique du pays NHK. Cette application permettrait, en fonction des critères choisis par les usagers, de trouver la personne leur correspondant le mieux à l'aide de l'intelligence artificielle. À titre expérimental, donc là, on est vraiment dans un truc, on dirait, euh, on dirait du. Euh, comment ça s'appelle ce, ce livre-là, que j'ai énormément aimé quand j'avais 16 ans, je l'ai lu. Euh, ils avaient créé une application pour qu'on trouve son âme-sœur. C'était. Euh, un livre d'un auteur français. J'ai oublié l'auteur français. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Euh, à titre expérimental, les autorités de la ville ont d'ailleurs déjà mis l'application à disposition de personnes ayant participé à des événements pour célibataires organisés par le gouvernement par le passé. De fait, le taux de natalité du pays ne cesse de chuter à une vitesse alarmante, selon le dernier chiffre publié par le ministère de la Santé le 5 juin, repris par le journal Nihon. Nihon Keizai Shimbun, celui-ci s'est établi en 2023 à 1,2 enfants par femme, le niveau le plus bas jamais enregistré. Puis encore, pour les autorités du gouvernement de Tokyo, le chiffre est descendu en dessous du seuil de 1 enfant par femme pour atteindre pour la première fois 0,99 enfants par femme. L'idée est donc de créer des occasions de rencontres pour celles et ceux qui s'intéressent au mariage, raconte, raconte la personne chargée du projet du gouvernement cité par la chaîne. La grande caractéristique de l'application du gouvernement de Tokyo, qui la distingue de ses concurrents comme Tinder ou autres, tient dans son système d'inscription, souligne le journal Asahi Shimbun. En effet, afin d'éliminer tout type de problème que l'application pourrait engendrer, comme la falsification de la situation matrimoniale par certains usagers, les autorités tokyoïtes font feu de tout bois. Pour l'inscription, les candidats doivent ainsi présenter non seulement des pièces d'identité mais aussi un certificat de célibat, document délivré par la mairie de la commune dans laquelle ils habitent et qui atteste qu'ils ne sont pas mariés. Les personnes uniquement à la recherche de relations de courte durée ne sont donc pas les bienvenues. Les usagers sont tenus de fournir une lettre d'engagement clarifiant leur intention de s'inscrire à l'application uniquement dans l'objectif d'un mariage. Donc, ils veulent non seulement avoir plus de natalité, mais ils veulent aussi avoir plus de mariages. À propos de l'initiative du gouvernement de Tokyo, Saki Ito, rédactrice en chef du site d'évaluation des applications de rencontres Matchup, précise, citée par le quotidien, qu'aucune autre application ne demande de fournir un, un certificat de célibat. Certaines personnes, bien qu'intéressées par l'idée d'en utiliser une, n'osent pas sauter le pas en raison des problèmes de sécurité. Elles pourraient donc se servir de celle du gouvernement de Tokyo. Mais en tant qu'administration publique, je pense que celui-ci devrait travailler à l'amélioration du niveau de salaire ou à la mise en place de mesures qui feraient augmenter le niveau de vie des Tokyoïtes une fois mariés, afin de freiner la baisse de la natalité, estime Saki Ito. Effectivement, il y a peut-être d'autres choses à faire et d'autres leviers à actionner pour, euh, pour, euh, indiquer, enfin, pour euh, inciter les gens à se marier dans ce pays où, effectivement, la position des femmes n'est pas forcément idéale non plus. Et comme le dit Farley, le problème du Japon est plus profond. Il faudrait déjà changer la relation homme-femme dans le pays. Effectivement. Effectivement. La Chine le fait bien. C'est qui qui le disait ça déjà il n'y a pas très longtemps Najat Balou Belkacem. Je ris jaune. Je ris, je ris pas forcément très. C'est pas forcément un vrai rire, c'est un rire nerveux. Voilà! Je pense qu'on parlera bientôt du Liban aussi. On reparlera de ce qui se passe là-bas où le Canada veut faire partir ses ressortissants. On parlera, on retournera au Hama, au, à Gaza aussi pour parler du Hamas. Et on ira bientôt faire le tour, je vous ai dit. Je pense qu'on ira peut-être pas demain, mais bientôt, on ira faire un tour au Venezuela et au Mexique où il s'est passé des choses importantes aussi ces derniers, ces derniers mois. Notre AOC de gauche, ouais. En tout cas, voilà, j'ai fini pour ce matin. Euh, on va faire un, un petit, euh, une petite incartage. Je vous invite à me donner les noms des matinales, euh, des euh, chaînes vers lesquelles vous allez vous diriger juste après cette matinale. Si vous souhaitez euh, que j'y fasse un raid, c'est le moment. C'est le moment. Et en attendant que vous faites, fassiez péter vos noms, des pseudos de vos euh, streamers préférés, en direct maintenant, s'il vous plaît. Je vous propose euh, qu'on fasse un petit tour. Alors attendez, je vais chercher ici. Tiens, allez. Je sais pas si ça fonctionne celui-là. Merci, Bonne journée à toi aussi. Right when the pandemic, right before it hit, uh, but we knew it was coming. A lot of weird things started happening, and one of those weird things was, for the first time ever, there were lines outside of men's restrooms. And people were trying to figure out what's going on. Like, articles were written about it, journalists were trying to figure it out, and finally, one person figured it out. The reason is because for the first time ever, a majority of men were washing their hands. <laughs> and it was creating lines for the first time, and it blew my mind, because my whole life I've looked at the women's restroom and thought some terrible things. I have thought things like, yeah maybe we deserve 70 cents on the dollar like if we, if we can't get this together you know we're, we're, we're away from our desks for longer i would go to concerts and i would hear guys sort of smugly walk by the women's restrooms and say things like uh like god what do women even do in there and i would think like yeah what are we doing there Wash our hands. Apparently, <laughs> that's that's it. Our our lines weren't too long. Bon. Your lines non. were too short. We've just been at the sink singing happy birthday for generations. <laughs> Do you remember um right when the pandemic Bah, donc pour laver ses mains. Donc là, il disait que pendant la pandémie euh, si vous n'avez pas compris l'anglais, je vous explique. Pendant la pandémie, il euh, les, 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 y a eu des lignes, de, de, des files d'attente qui se sont euh, accumulées devant les, les toilettes des hommes, et, euh, et du coup, euh, elle s'est posée la question mais comment ça se fait que avant il n'y avait jamais de file d'attente et là, d'un coup, il y a des files d'attente En fait, ce qui se passe, c'est que les hommes ont commencé à se laver les mains, <laughs> quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, et du coup, euh, la question euh, qui se posait, qui était mais qu'est-ce que les femmes font euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant de files d'attente devant les toilettes des femmes Eh bien, visiblement, les femmes se lavent les mains, tout simplement, <laughs> plus que les hommes, et c'est pour ça qu'il y a une file d'attente plus importante devant les toilettes des femmes. <laughs> voilà, voilà. Et euh, cette vidéo de, euh, du garde du corps du, de Messi, qui euh, est donc euh, le, le joueur de football que vous connaissez sans doute, vu que c'est une star internationale, et vous allez voir, le garde du corps euh, de Lionel Messi est assez impressionnant. C'est <laughs> délicat, attends, je vais enlever ta main. Alors le lien de, euh, la, du sketch juste avant, il le voici. Et, euh, et enfin, une dernière petite vidéo. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout ce qu'on va regarder. J'ai aucune idée de ce que je vais vous montrer. <laughs> Les mains, c'est pour les faibles, c'est absolument horrible. Euh, le gif en com est excellent, effectivement. J'aime beaucoup, <laughs> très bien. Bon, c'était euh, la matinale du matin tout le matin avec euh, avec euh, le chat que vous avez vu tout, tout à l'heure euh, <laughs> et avec euh, Solène aussi, que vous avez vu passer tout à l'heure, et avec votre participation très précieuse. Je vous remercie encore une fois pour participer à ces matinales du matin tout le matin euh, dans le chat. On se retrouve demain matin. Je ne serai peut-être pas là à 8h comme tous les matins. Désolée, hein, en ce moment, c'est un peu compliqué le matin. J'ai du mal à me réveiller. Euh, mais euh, je, serai, euh, je serai quand même dans les parages. Je vous souhaite un excellent lundi, une excellente euh, journée et euh, une excellente reprise si vous revenez travailler. D'excellentes vacances si vous êtes en vacances. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui est en vacances encore en ce moment. On se retrouve demain matin. Aimez-vous les uns les autres et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, c'est important. Et je vous envoie chez quelqu'un. Peut-être pas chez Klimovic parce qu'il n'a pas forcément besoin d'un raid, quoique. On verra. <laughs> Allez, des bisous, à demain.